Oh là! Ouf. Bonsoir! Je suis pas cadré correctement du tout. Oh là 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 là! Bonsoir à tous, bonsoir! Oh là, j'ai mon retour son qui est claqué! Hop! Oh, attendez, hein. Ça va être le stream du réglage, j'ai l'impression. Hop! Voilà, voilà! Bonsoir! Salut à toi, Manu! Salut, Guildart! Oh punaise! Tout est claqué! Ah putain, tout est claqué dans mon setup, y'a rien qui va. Le son est trop fort, c'est insupportable. On va baisser la musique. Alors la musique normalement, ah, elle est pas. Là vous l'entendez plus du tout de votre côté, si j'ai pas de bêtises. C'est ça? Ou pas? Hop. On va peut-être la baisser un peu. Faut vraiment qu'elle soit tranquille en fond la musique, hein, sinon ça va être insupportable pour vous. J'espère que vous allez bien. Putain, j'ai vraiment tout mon setup qui s'est déréglé, c'est impressionnant. J'ai même le fond vert qui déconne un petit peu. Hop, faites voir. Ok, là c'est un peu meilleur. Le filtre est pas terrible. Hop, hop, hop. Alors je m'excuse hein, évidemment parce que c'est un live chill évidemment ce soir. Tac, tac, tac. Alors qu'est-ce qui va pas sur mon filtre en fait hein. Fais voir. Oula, ouais. Est-ce que c'est plus la couleur? Ah, ça me semble meilleur là. En termes de filtre, on est pas mal là. Ouais, c'est un peu moins, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux. J'espère que vous allez bien ce soir. Hop, alors j'ai mon son qui est un petit peu particulier. Hop, parce que j'ai un retour dans mes écouteurs. Ce soir, c'est un live très tranquille. Ce soir, on va dev, tout simplement, on va discuter et tout. Ça va être voilà posé, on va coder, pas de feature spécifique en tête ou de plugin ou genre de truc. En fait, ça va être très très calme. Alors le son est toujours trop fort pour moi. Hop. Normalement, vous devriez entendre très légèrement la musique, si j'ai pas de bêtises. Parce que moi, mon son, il est ok. Normalement, la musique devrait être pile poil ok. Ouais, je m'excuse parce qu'en fait, comme j'explique depuis. Combien de lives? 2, 3, 3 lives, un truc du genre. Depuis quelques lives, en fait, j'ai quitté OBS. Streamlabs. Je suis passé OBS. Parce que y a eu plein de problématiques sur Streamlabs et je suis pas du tout. Comment dire? Je suis pas. Un fervent défenseur de ce qu'il de l'image qu'il renvoie en fait. Donc du coup j'ai préféré quitter tout simplement Streamlabs, ça faisait un moment que j'y pensais. Et donc ça sera un peu mieux, enfin ça sera différent. Il y a plein de trucs qui ont changé maintenant avec OBS, le passage à OBS, donc du coup ça sera un peu différent. J'espère que pour vous ça se remarquera pas trop. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Petit programme, ce soir, alors attendez je vais virer ça, pas besoin, tac, voilà c'est bon. Petit programme de la soirée, c'est que ce soir, du coup, on va chill en développement, toujours en reprenant du coup le développement de BaseTool, qui est donc un package que j'avais commencé en il y a trop longtemps. Alors attendez, juste pour que je vous resitue le truc, c'est un paquet que j'ai pas touché depuis janvier, février, depuis février. Donc du coup, ça vous donne un peu le ton. Ça donne un peu le ton, ouais, du truc. Et c'est impressionnant, quoi. Alors du coup, c'est quoi ce package, du coup, vous me direz Alors, en gros, ce qui se passe, je vais voir, parce que si je peux pas régler un peu mieux le son pour vous, peut-être. Peut-être ce sera un petit peu mieux si je parle comme ça. Vous aurez un meilleur son. Parce qu'en vrai, je pourrais faire un truc un peu plus comme ça, et du coup, je parlerai un peu comme ça, et vous aurez un meilleur son, vous pourrez bien m'entendre et tout. Ça serait un peu plus un live ASMR du coup au final. On va pas basculer vers de l'ASMR. Hop. Oh, attendez. Hop. Je sais pas si je peux fermer la porte chez moi. Attendez. 2 secondes si vous permettez. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Ah ouais, j'ai disparu. J'ai disparu dans le fond vert. Voilà, voilà. Ok. Donc,
Où est-ce qu'on s'était arrêté sur ce paquet? En fait, bon déjà, qu'est-ce que c'était ce paquet de choules? Hop, je remets mon micro. ce paquet, c'est un paquet qui était très important pour moi, puisque il arrivait que j'ai beaucoup de récurrences dans mes codes entre mes divers projets, et beaucoup de choses que je réutilisais. Et je me suis dit, tain, ça m'énerve, j'en ai marre de perdre du temps à recoder des fonctionnalités. Donc je vais les centraliser en fait, je vais tout regrouper, tout refactoriser dans un paquet. Tac tac, attends 2 secondes. Hop. Alors. Voilà, 2 secondes, je fais l'autopromotion sur les réseaux, tout ça, vous connaissez. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le Discord des Games Creators qui est ici. Est-ce que le bot fonctionne encore? Ouais, voilà. N'hésitez pas à rejoindre le Discord des Games Creators, voilà. Très très très, voilà, un bon réseau de développeurs, de jeux vidéo, voilà, qui s'entraident, il n'y a pas de souci. Ce package donc du coup comportait en fait beaucoup d'éléments que je reprenais de divers projets et j'en avais beaucoup besoin, ça m'était très utile pour la plupart de mes projets, notamment en fait des fonctions qui étaient utilitaires sur que ce soit les vecteurs, que ce soit sur les randoms, que ce soit les listes, que ce soit sur les singletons par exemple, voilà avec un pattern de singleton qui était dessus, etc. Même si le singleton à terme c'est pas du tout conseillé. Et donc en fait j'avais plein de trucs à mettre en place dans ce projet qui peuvent être vraiment cool. Et du coup, ce soir on va continuer ce paquet et on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut rajouter dessus. C'est totalement improvisé comme live en vrai. À la base je me suis dit ouais est-ce que je live ce soir, je sais pas trop. Alors, tac, on va basculer sur la scène. Tac tac tac, donc tout ça me semble... Yes, ça me semble ok. Hop, je vais m'installer. Alors, le package en question, on était resté dessus, il y avait plein de choses à dire. Salut à toi, Kikego. Salut, salut. Le dernier outil en date que j'avais mis en place, c'était parce que je travaillais sur de la 2D. Ouais, c'est ça, je travaillais sur de la 2D. Donc, il y avait des trucs qui étaient, comment dire, qui étaient en train d'être modifiés. Alors, attendez, hop, juste, ouais, je vais... Ah! J'ai fait quelque chose de... J'ai foiré quelque chose. Oh. Non, ça a merdé. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est vrai. Remove. J'avais fait mon truc, mon outil là-haut. Je vous explique vite fait le paquet là que j'avais mis en place. J'avais une problématique qui fonctionne pas encore totalement de ouf. Putain. J'avais une problématique, c'était que je voulais faire un système de screen à la Metroid. Savoir qu'on commence avec un écran et... en gros, on définit des sections plus comme comment dire, peut-être pas forcément Metroid, mais plus comme Megaman en fait. C'est-à-dire que on a un écran qui est sur un tableau avec du coup une caméra qui suit le joueur. Et lorsque le caméra va sortir de cet écran, il va du coup voilà swapper sur l'autre écran, l'écran d'à côté. Et lorsqu'il dépasse trop cet écran, hop, la caméra, hop, elle se replace correctement sur l'écran suivant. Ce qui fait que du coup, là par exemple, on a un écran fixe. D'ailleurs, je crois qu'il y a un bug puisque la caméra elle retourne vers le bas alors qu'elle devrait pas aller vers le bas. Enfin bref. Et donc du coup, il y a vraiment une segmentation par écran avec bah, l'écran, enfin l'écran qui va suivre le joueur comme il faut. Alors on m'a dit que ça pouvait se faire, je crois, avec Cinemachine, il me semble. Mais il me semble pas que Cinemachine offre cette fonctionnalité de splitter l'écran en fait et de splitter pour avoir comment dire. Des zones en fait, voilà, ce système de zoning sur l'écran. Salut à toi Roussamé, salut salut. Et donc du coup, voilà, ça faisait partie en fait du plugin que je voulais mettre en place, enfin du package en fait, c'était une des fonctionnalités du package que je voulais mettre en place. Et pour ce faire en fait, j'avais utilisé donc hop, ce système là, donc ça on va le virer, on s'en fout. T'as des caméras confinées avec c'est une machine, il y a peut-être un truc à faire avec ça. Oui, après, comment dire? C'est pas... Je pense que c'est pas incompatible en fait. Puisque mon système là en fait qui est ici, le système de grid caméra, donc c'est le fameux système que j'ai mis en place. Attendez, on va essayer de le bloquer. On va essayer de le loquer comme ça ici. Voilà, c'est parfait. Comme ça on voit un petit peu comment ça se goupille.
En fait, la caméra qui va suivre le joueur, donc du coup, on peut lui passer une target ici. À terme, on pourra gérer ça autrement, on s'en fout. Mais le fait est que, au moins, vous avez déjà votre zoning qui est présent en fait. C'est-à-dire que si vous dites. Hop là, attendez, j'ai fait n'importe quoi. Ah! J'ai fait n'importe quoi. Tac. Et merde. Bon, il y a encore quelques trucs qui sont à revoir, on va pas se mentir. Hop, c'est quoi qui a freeze? C'est quoi qui a freeze là dans mes bounds? Et merde, voilà. Ok, donc c'est bon. Tac, ça on va. J'aimerais bien le virer ça. Ah putain, c'est vrai que j'ai encore 2-3 trucs à revoir sur ce plugin en vrai. Genre là, j'aimerais bien, bien juste supprimer que ça me crée pas un nouveau truc à chaque fois quoi. Ouais, il y a encore quelques trucs, je pense. Ah ouais, clic droit, ouais, c'est ça. Bon, il y a encore quelques outils. En fait, il n'est pas totalement fini cet outil. De toute façon, c'est un package qui est en dev, hein, on va pas se mentir. Mais donc l'intérêt, c'est que vous avez votre caméra qui est ici, vous définissez une zone, et ensuite vous pouvez agrandir la zone comme vous voulez, en fait, hein, la zone de follow de la caméra, il n'y a pas de souci. Alors je crois que j'ai pas encore prévu le retour arrière, en fait, ça c'est vrai, tout à fait. Et il n'y a pas non plus le snap, donc bon, il y a plein de trucs qui sont à faire. Mais le fait est que du coup, par exemple, vous pouvez définir là ici que cette zone-là, en fait, plutôt que ça soit une zone à scrolling, bah, en fait, c'est une zone à séparer en deux écrans. Et dans ce cas, bah, vous faites un autre écran ici, là, qui est une autre zone. Ce qui fait que la caméra, elle va suivre automatiquement le truc, quoi. Pareil de ce côté-là, si vous voulez réduire la zone, le zoning qui est ici, hop, vous mettez ici, là, hop, vous faites un zoning là. Alors, ça va être fait à la zup, je pense. Tac. Ici, comme ça. Ah, j'arrive pas à le. Voilà, j'arrive pas à le drag and drop. Voilà. Il y a encore plein de trucs sans revoir hein, sur ce package. Et donc voilà, par exemple, ça a été scindé en deux. Et ce qui fait que du coup, vous avez directement votre zoning qui est fait, peu importe l'écran où vous trouvez. Il y a encore quelques trucs qui bug un petit peu. Mais ça peut effectivement peut-être être avec. Oula, ça bug un petit peu là. En fait, il y a deux écrans qui superposent de ce que j'ai compris. M'a l'air bizarre. Ok. Bon, c'est perfectible hein, pour l'instant. C'est totalement en développement, on va pas se mentir. Mais voilà, c'était l'intérêt en fait. Je pense que ça marche bien avec Cine Machine. Il suffit de mettre le collider en tant que source du Camera Confiner. Là, il n'y a pas de collider. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est pas des colliders en fait. C'est vraiment une grid. Et ça se base sur la position de ton joueur en fait, actuellement. Si je peux. Je sais pas comment je pourrais vous montrer, faites voir. Attendez. Ah ouais, putain, ça aussi. Comment vous écrivez des namespaces qui commencent par un chiffre, vous? Parce que moi, je suis obligé de mettre un underscore. Vous avez une solution pour ça ou pas? Parce qu'en vrai, j'en ai pas moi. Si vous avez une solution pour les underscores, je prends. Jamais eu le besoin. Ah, putain. Ouais, en gros pour vous, c'est tout con en plus comme système, je crois. Mon editor, il est où? Il est tac tac tac, editor 2D, grid camera editor, voilà ici. C'est en gros vraiment tout un système. Bon, c'est un peu dense hein, comme fichier, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est un système qui va calculer donc les positions, qui va calculer, qui va faire des handles du coup pour les sliders en fait. C'est très très chiant. Je me souviens que j'avais bien galéré à le faire. C'était très très chiant à utiliser les éditeurs comme ça. Mais le fait est que ce petit plugin permet juste avec la position en fait, du joueur de faire bouger le grid de la caméra. D'ailleurs, l'update de la caméra s'effectue en fonction de la position et de l'aspect de l'écran, enfin de tout le bordel quoi. Donc faites voir par exemple là dans mon debug log. Voilà, donc là, par exemple, c'est quoi? J'aurais vu. Ça fait 10 mois que j'ai pas touché à ce truc. C'est super long, 10 mois. C'est bon, vous m'entendez bien en mono, donc il n'y a pas de souci. Mais est-ce que la musique, vous l'entendez aussi, la petite musique de fond? Pas du tout. D'ailleurs, ça debug log tout le temps, ce truc. Ouais, je pense que je vais virer ce debug log. Le point que je voulais aborder aussi, c'était que ce projet, vous entendez pas du tout la musique. Ah ouais, c'est chaud ça, par contre. Alors là peut-être trop, et là un tout petit peu normalement. Normalement ça devrait aller. Elle devrait pas être trop forte, la musique. Elle devrait être juste en petit fond, tranquille, sans souci. Normalement. Ouais, parce qu'en fait le truc c'est que du coup, à chaque live, j'ai l'impression de galérer pour resetup ma musique, mon son et tout. C'est insupportable. Insupportable.
Non, non, mais c'est insupportable. J'ai aussi mis des nouvelles animations. Alors, on peut voir aussi, attendez, j'en profite. Vous pouvez voir sur cette bannière-là, un peu plus loin, le dernier abonné et le dernier follower. Voilà, j'ai mis à jour ce truc-là. D'ailleurs, il y a des nouvelles animations lorsque les gens s'abonnent, lorsque les gens follow, quand les gens typent et tout. Voilà, j'ai tout mis à jour en fait, parce que comme j'ai dit, j'ai quitté Streamlabs, parce que voilà, Streamlabs, voilà, ça a eu des problématiques et tout. tu t'es désabonné juste pour. T'as désuivi juste pour resuivre derrière ou pas? Merci à Roussameux du coup. Et du coup, ouais, y a des petites animations et tout. ouais, du coup, je passais sur Stream Elements, qui est du coup une sorte d'alternative à Streamlabs, on va pas se mentir. Le fait est que. Ah, par contre, y a pas le chat, attendez 2 secondes. Pas le chat. Attendez. Où est-ce qu'il est? Ah, voilà, c'est pour ça, y a le chat. Je l'avais désactivé le chat comme un con. Le fait est que. Faudra que je règle le chat en 2 parties. Parce que là actuellement il est en fixe. Mais c'est vrai que du coup ça serait plus intéressant que vous voyez qu'une partie des messages. Enfin que les messages disparaissent au fur et à mesure. Ça sera à régler, je pense. Bon après je peux désactiver le chat pour l'instant. On verra comment on gère ça. Enfin je verrai comment je gère, hein, il n'y a pas de souci. J'en étais à où? Oui, le projet, quoi, comment, perso, sans le chat, ça me va. Très bien. Ouais, écoutez, c'est un peu j'ai l'impression que c'est un peu la philosophie du Twitch actuel, avec même le Twitch, enfin, avec le stream YouTube aussi, parce que YouTube, t'as le chat en temps réel dans la rediff et tout. Enfin, sur Twitch aussi, mais bon, sur YouTube, tu peux voir les rediffs tranquille. Donc, j'ai l'impression que que ça devient de plus en plus la philosophie de masquer le chat pendant le live, justement. Je sais pas. Bon, après. Qu'importe, hein, c'est pas grave. Moi, ça ne, c'est plutôt votre confort qui prime. C'est également pour ça que la petite musique, le mixage audio, le micro, voilà, genre de truc. Tu vois, j'essaie de tout faire bien, tu vois. Pour revenir à notre package, le package en question qui est ici, vous pouvez l'ASMR, tout à fait. Tu peux te mettre en mode studio plein écran en tant que viewer, ça marche bien. Oui, effectivement, oui. C'est vrai, c'est vrai. Je perds mon fil. Le package actuellement, le Base Tool, comme je l'ai dit, il comporte beaucoup de trucs. Enfin, beaucoup de trucs. Il comporte certains trucs qui sont utiles, comme un attribut de min-max, comme par exemple. Qu'est-ce que j'avais. Ouais, j'avais fait ça, ouais. Bon, les caméras extension, on s'en fout. Oui, pour récupérer les bounds, oui, ça c'est pas mal. Ça aussi, si vous avez une caméra qui est orthographique, vous pouvez récupérer les bounds en fait de la caméra. Donc, ça c'est très pratique pour justement le système de placement de la caméra, savoir si une caméra est dans les limites ou pas, ou voir quelles sont les limites de la caméra. Ça c'est très pratique. Il y a des extensions pour les listes, tout ça, tout ça, tout ça. Le package est disponible sur mon Git, le Git qui est marqué plus bas là. Si vous êtes sur PC, il y a mon Git qui apparaît et vous avez au pire le lien. Et en fait, vous pouvez le mettre directement dans votre package manager, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. La question c'est actuellement comment je vais faire les mises à jour et comment je vais déployer ça. Parce que là actuellement, juste le main, si je dis pas de bêtises, donc le main c'est le master en fait, c'est vous avez toutes les principales fonctionnalités que j'avais déjà mises en place et qui sont accessibles très facilement. Juste ça, c'est accessible dans le main et vous pouvez l'avoir par défaut lorsque vous téléchargez le paquet, lorsque vous l'ajoutez à votre package manager de Unity. Maintenant, si vous voulez passer sur le dev, je crois qu'il faut spécifier la branche en disant oui, je suis sur telle branche, enfin, je veux prendre la branche de dev uniquement. C'est à vous de gérer ça. Mais sur le long terme, donc j'ai expliqué, j'aimerais pas être tout seul sur le projet. En fait, s'il y a des personnes qui sont. Parce qu'en fait, j'aimerais bien rendre le projet un peu plus open source. Parce que je vois beaucoup de projets en fait actuellement, il y a des trucs qui sont assez aberrants en fait l'asset store. Genre des moteurs 2D ou des trucs assez. Enfin, pas des moteurs 2D, mais plein de tools, même du parallaxe, voilà, genre de trucs. Ça, c'est.
Je comprends pas que ça soit pas gratuit, ça, en fait. Ça, c'est des trucs, le parallaxe 2D, admettons, il y a des packages, je crois, 10 balles pour faire ça. Enfin, non, à un moment, non, quoi, juste non. Donc, en fait, j'aimerais bien qu'il y ait des personnes, peut-être, qui sont déter et qui participent au projet, puisque le projet, ça sera open source. Open source ou sous licence, je sais pas exactement comment je vais la mener. Mais en gros, j'aimerais bien effectivement que les gens ils apportent leur pierre à l'édifice en disant avec des pull requests, ce que vous voulez, qui disent voilà, moi j'apporte le parallaxe, admettons, ou moi j'apporte un audio manager, je sais pas, n'importe quoi. En fait, il y a plein de trucs qu'on pourrait mettre en place, puisque l'intérêt du tool, c'est que vous mettez ça dans votre projet, vous démarrez votre projet Unity avec ça, et vous avez de base des scripts, des utilitaires, plein de trucs qui sont à droite à gauche pour vous faire un starter sur le projet ou gagner du temps sur certains trucs. À terme, il y aura aussi des utilitaires sur l'UI aussi. Il y aura des utilitaires sur les statistiques dans les RPG, sur voilà, plein de trucs. Il y a plein de trucs que j'aimerais bien mettre en place, en plus de ce qu'il y a déjà. Comme là, par exemple, le système d'écran, le système de caméra que j'ai mis en place là, voilà, essayer de le développer un peu plus, faire un outil un peu plus intéressant. Parce que là, pour l'instant, c'est bon, on va pas se mentir, c'est un peu. C'est très rudimentaire en fait. Et même là, quand je clique, je comprends pas pourquoi. Quand j'ai le truc sur le bouton, là, c'est insupportable ça. Faudrait pouvoir choisir quel type de script on charge et pas tout avoir dans les. En fait, on pourrait faire. Voilà, ça c'est du tooling. Encore une fois, c'est du tooling. C'est des trucs que je maîtrise pas encore totalement, mais il faut les faire. Par exemple, comme fait Dotwin, à savoir que tu as un setupper quand tu mets le package. Et le setupper, en fait, il va avec des. Comment dire avec des script define symbols. Il va activer ou désactiver certaines librairies, en fait, certaines assembly definitions. Et donc, du coup, il va activer désactiver certaines assemblies. Et donc, par exemple, la fenêtre dès le début, quand tu ouvres le projet, qui te dit, voilà, j'aimerais activer que la 2D, activer que les utilitaires, etc. Et donc, du coup, ça va activer et désactiver les assemblies dans le projet, puisqu'on peut le faire, en fait. On peut faire ça. À voir après derrière comment ça s'organise quoi. Ça c'est un truc, c'est du tooling, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Il n'y a pas de souci, hein, ça sera. Voilà, je suis preneur de ce genre d'informations, savoir s'il y a quelqu'un qui sait faire ou quoi. Voilà, ça c'est des trucs, ça peut être cool. Mais voilà, ça je sais pas faire. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Ah, c'est juste qu'on me parle. Et donc du coup. Ouais, à terme, il y aura. J'avais commencé à faire un truc pour les FPS. Là, actuellement, actuellement les sources du projet Unity, vous les avez nulle part. Vous avez que le package. En même temps, vous n'avez pas besoin d'avoir plus. Et dans les sources, j'avais aussi fait un truc pour les FPS. Attendez, je vais essayer de retrouver le truc. Tac. J'avais fait un système. Tac, tac, tac. Où est-ce que c'est? Hop. Voilà un player movement ici, mais que j'utilisais le caractère contrôleur. Voilà, après, il faut voir comment c'est géré. Voilà, c'est un peu le. C'est très rudimentaire, tu vois, mais au moins, t'as un FPS contrôleur qui fonctionne, on va dire. Alors, c'est très Doom-like. J'avoue que c'est très Doom-like. Mais voilà, ça peut être intéressant. Pareil, un système d'armes aussi. Un système d'armes à feu, par exemple, pour avoir une arme à feu générique. Et ensuite, tu fais des scriptable objects pour varier tout ça. Ça peut être cool, en fait, qu'il y ait plein de petits systèmes comme ça peut être cool en vrai dans le package. Donc, si vous avez des idées aussi d'outils que vous aimeriez implémenter dans le projet, enfin, franchement, je prends. Par exemple, des utilitaires sur le point and click aussi, ça peut être cool. Genre, vraiment, pas un moteur point and click, mais vraiment tout un dossier, voilà, pour gérer le point and click dans un jeu d'énigmes, je sais pas, n'importe quoi. Voilà, si vous avez des idées, moi je prends. Là, actuellement, j'avais aussi en tête de faire un système de navigation pour l'UI. Ouais, c'est ça, pour l'UI. Donc voilà, à voir, il y a plein de trucs qu'on peut mettre en place. Je suis pas fermé à ce genre de débat ou à ce genre de discussion. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des idées. Et même si vous voulez participer au projet, moi je suis ouf. Hein, moi je prends. Hein, je suis très très chaud hein, s'il y a des gens qui sont déter pour participer au projet.
Ouais, chaud, hein. Des terres. Je sais pas juste par contre comment ça peut se goupiller si on décide de splitter ça en plusieurs packages, enfin en plusieurs packages, si on décide d'activer ou de désactiver certains trucs selon les scripts defines, enfin les scripts symboles, je sais pas trop comment ça peut se goupiller, j'avoue. Qu'est-ce que tu veux faire de plus que le package Unity de base pour les FPS? Le package de base, c'est pas tant le package de base, parce que le package de base. En fait, c'est pas le fait de faire le package de base en fait que j'aimerais mettre en place. C'est de mettre en place des méthodes, des classes, des utilitaires en fait, sans avoir besoin de passer par des assets graphiques. Parce que le package de base de Unity, t'as un starter graphique aussi. Ce qui est bien, hein, puisque du coup tu peux démarrer avec un projet graphique, mais ce qui fait que du coup le starter, il est défini aussi pas intrinsèquement par sa partie graphique. Comme par exemple la génération de modules et tout, ça c'est défini par le truc de graphique. Et bah pareil pour les RPG, une génération de donjons par exemple, genre de truc, ça peut être cool. Il y a plein d'idées comme ça qui me viennent. Mais voilà, il y a plein de trucs à droite à gauche qu'on peut mettre en place. Ne serait-ce que faire de l'action RPG, genre de truc, avec en se basant sur un système de mouvement. Il y a tellement de trucs qu'on pourrait mettre en place. Vraiment faire un starter tool, en fait, c'est un énorme package de starter qui te sert à démarrer n'importe quel projet, en fait, puisque très souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai plein de projets que je veux démarrer, enfin, que je veux démarrer. J'ai plein de projets, en fait, et je me dis, ça m'énerve vraiment de pas avoir un truc, un petit starter déjà de base pour démarrer ce projet-là, alors que, enfin, ce starter-là, il n'est pas sur la l'Asset Store ou quoi. Un mix de tous les tutos ou tout. Non, mais. Non, c'est pas vraiment un mix des how-to, mais. Ouais, c'est pas vraiment ça, et. Je sais pas trop comment je pourrais le dire, mais. Je sais pas trop comment le formuler, mais c'est plus un. Ouais, un petit coup de boost aux gens qui veulent démarrer un projet. Ils installent le package et puis voilà, ils font leur vie. Après, derrière, ils s'occupent que de l'intégration presque. Mais pas que ça, il y a encore plein de trucs à mettre en place. Mais je crois que pour les RPG, j'avais commencé un système d'inventaire, c'est ça, il me semble. Qu'est-ce que j'avais fait? Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ouais, j'avais commencé un système d'inventaire pour les RPG. Un système d'inventaire qui récupère la liste de tes items. Tout, 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 tout. Voilà, un truc générique qui se base sur tes items, sur une taille maximale que tu mets sur l'inventaire, genre de truc. Bon, ça c'était. Et T, c'est un item inventory. Bon, il y a tellement de trucs. Non, mais voilà quoi. C'est large, en fait, c'est ultra large, en fait. Il y a tellement à mettre en place. Mais c'est juste que ça, en fait, c'est juste que ça m'énerve de voir autant de packages payant sur l'asset store sur des trucs qui sont trop spécifiques de 1 et de 2 qui peuvent se faire tranquille, tu vois. Donc pourquoi les gens payeraient 60 balles un truc qui peut se faire très simplement, qui est spécifique, c'est-à-dire qu'ils vont devoir le retoucher derrière dans tous les cas, alors qu'ils pourraient partir sur un truc gratuit comme ce package que je veux mettre en place et plutôt générique quoi, en un sens. Donc c'est un peu, pff, voilà quoi, c'est un peu dommage je trouve, c'est un petit peu dommage. Après si vous avez, si peut-être vous vous dites, ouais non là c'est trop loin comme starter, comme package, ça va trop loin, ça brasse trop de choses et tout, je peux l'entendre, en vrai je peux l'entendre quoi, je peux comprendre effectivement que c'est un truc qui brasse trop d'informations, qu'il y a trop de trucs à droite à gauche, bon. Ma foi. Mais bon, déjà d'avoir un starter kit avec plein d'extensions comme ça, ouais, déjà je trouve que c'est cool. C'est vraiment pratique en vrai d'avoir des extensions comme ça. De toute façon, c'est simple à partir du moment où t'as plein de trucs à droite à gauche d'utilitaires comme ça que tu retrouves un peu partout, c'est toujours utile dans tous les cas. Est-ce que j'avais d'autres aussi dans ce truc? Ah ouais, le modulo.
C'est vrai, parce qu'il faut savoir que le modulo comme ça de Unity, il marche pas. Enfin, de Unity, en C Sharp, il marche pas. Hein. Il est cassé. Il est cassé quand vous partez dans les négatifs, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est pour ça que justement, il y a un modulo comme ça ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi comme utilitaire? Ah ouais, j'avais commencé un système de traduction, ouais, c'est vrai. Et ouais, mais ça, je pense que je vais devoir le virer, hein. Que ça, je crois que je vais devoir le virer à mon avis. Parce que maintenant qu'il y a le truc de Unity, ouais, c'est ça. Je me suis fait doubler par Unity, donc je vais devoir le virer, ça, à mon avis. C'est con parce que c'était plutôt pas mal fait, je trouve. Fais voir, qu'est-ce que je l'avais mis déjà? Base Tool, générique, translation. Ah, j'avais fait un système de translation comme ça. Bon, c'était. Ah oui, j'avais pas fait encore du UI, mais c'était rudimentaire et on pouvait rechercher, par exemple. Déjà, ouais, les termes que l'on veut mettre en place et tout, mais. Ah oui, j'avais pas fait du 8 du tout en fait, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas fait du 8 du tout. Ah, on a changé de playlist musicale? Ah ouais, on a changé de playlist musicale. Mais pareil, si le son est trop fort, faut me dire. Ouais, donc j'avais fait plein de systèmes comme ça, bon, bref. Un peu déçu par ce que j'ai fait là. Quand on entame des projets pareils et puis on se dit merde, on s'est fait devancer, ça la fout mal, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Après, je parle pas de refaire des tools qui ont légitimement, enfin qui ont une légitimité à être payant, comme Shapes, Odin, genre de trucs, tu vois. Ça, c'est il y a une légitimité à être payant et parce qu'il y a tellement, c'est tellement dense, je vais pas dire oui, ça va, je passe en gratuit, je fais pareil, non, ça va. Non, je parle de faire des tools gratuits sur des trucs qui sont. Je comprends pas pourquoi les gens vont payer dessus, tu vois. Ça sert à rien. Mais toi, à fond sur lui, ça m'arrange si tu te fais doubler. Comment ça sur lui? Mais en vrai, c'est ce que je pense que c'est ce que je vais faire ce soir. Parce que faut que je me remette la tête dans le guidon pour la 2D. Donc en soi, c'est pas forcément une bonne chose que je fasse de la 2D. Que je reprenne le système de 2D que j'avais mis en place ce soir. Bah, Unity, ils ont mis en place un truc qui est ultra cool, qui est encore en preview. Ils ont mis un truc qui est ultra cool, mais encore en preview, c'est le UI Toolkit. Ouais, c'est ça, le UI Toolkit. Et honnêtement, bah en vrai, oh putain, ouais, d'accord, ok. Entre-temps, il est sorti la version 5. Ok, d'accord, super. Et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça se rapproche énormément beaucoup du web. C'est pas viable encore pour du in-game. Bah, c'est en preview, donc de base c'est pas viable pour du code, hein, de base. Mais c'est tout à fait viable. Enfin, de base c'est fait pour du in-game, hein, le UI Toolkit. C'est fait pour du in-game. Hein. Ça change pas ça en fait, hein, derrière. Ça change pas du tout. L'input system, voilà, il est oufissime ce package, donc ça sert à rien de le refaire. Il est où? Je crois que j'ai pas activé les packages preview, si c'est pas de bêtises. Non, non. Non, non, le UI Toolkit, c'est fait vraiment pour concevoir des UI directement en jeu, en fait. Oui, tu peux t'en servir pour. Oui, alors, tu peux t'en servir pour tes Windows, tes custom Windows et tout. Mais tu t'en sers vraiment pour lui, dans ton jeu. C'est-à-dire que derrière, tu fais ton HTML, enfin, c'est ton UML, ton UCSS. Et hop là, c'est parti, hein, t'as ton interface. Après, ça reste très chelou, hein. On peut l'installer pour vite fait essayer ça, pour voir un peu qu'est-ce qu'il en ressort. Attendez, tac, on va aussi montrer les dépendances, ça me plaît ça. Et on peut essayer de voir vite fait là, si vous voulez, mais bon, ça reste quand même. C'est pas du tout viable sur le long terme. Voilà, non, ça c'est l'Interaction Toolkit. Où est-ce qu'il est le UI Toolkit? J'ai rafraîchi? What? Ok, donc je pense qu'il faut passer directement par. Ok, je pense qu'il faut passer directement par le site de Unity. Alors attendez. UI Toolkit de Unity, il est en preview. Alors c'est peut-être pas UI Toolkit, si? Si, c'est UI Toolkit, c'est ça? Alors, attendez, pourquoi du coup il est en. Attendez 2 secondes.
Pourquoi là c'est le package UI tout court? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Bon, ça doit être UI Builder dans tous les cas. Mais UI Builder il est encore en preview, hein, si c'est pas de bêtises. Ouais, c'est ça, il est en preview. UI Builder. Community UI Builder. On va essayer de voir un petit peu ce qu'il en ressort. Bon, attendez, hop, ici. Donc. Package by name. On va voir. Parce que moi, ouais, le UI Builder, j'avais essayé. Après, ça reste intéressant, je crois. Parce que ça fonctionne vraiment comme du web. C'est-à-dire qu'en gros, tu loads ton HTML dans ta vue. T'as pas besoin d'un préfab, en fait. C'est ça qui est cool, je trouvais. Mais ça reste très, très preview pour l'instant. Je crois que c'est pas vraiment. Hey, preview 18 quand même, bon ils sont... Ah ouais non, le 12 octobre quand même, ils ont un bon mois de retard déjà sur la... plus d'un mois de retard sur leur package. Ok, bah why not? Ça s'appelait UI Elements avant, ok. Ok, d'accord. On va l'installer, on va essayer de voir un petit peu, on va faire mumuse. On va faire mumuse avec ce truc là. On va essayer de s'amuser vite fait pour voir un peu qu'est-ce qu'il en ressort de ce truc. Donc. Alors, comment ça se goupille ce truc? Alors, on a notre fichier unsave. Ok. On a un container, des list view. Donc, il y a plein de trucs qui sont déjà mis en place, d'accord. J'ai un unsave. Ok. Alors, je vois pas du tout comment ça fonctionne pour l'instant. Je vois pas du tout. On va faire fit canvas, même pas. Pourquoi je suis sur... Ah ok d'accord, size, match game view, ouais, on va faire comme ça plutôt. Ça me semble un peu plus intéressant. Tac tac tac, ok. On dirait les vieux éditeurs d'interface Android Studio. Tout à fait, même visual, hein, quand tu fais du WinForm, tu sais, enfin, de l'UI, de... Ouais, de... De l'U... UWP, de Universal Windows Platform. Qui fait encore de l'UWP alors que ça reste quand même plutôt la merde comme truc. Ah, il y a ça. Oh, ils ont ajouté le min-max slider. Énorme. Énorme comme truc, c'est ouf. Le truc que tu regardes une fois avant d'écrire tout l'XML à l'imprimante, c'est exactement ça. T'as le label. Ok. Le label. Fais voir comment c'est géré ce truc. Tac tac tac, min value, ok. Ok, on va essayer de voir un peu ce qu'il en sort. Si on le save le truc, fais voir. On va le mettre dans un dossier UI, admettons. Et on va dire main view. Je sais pas du tout comment ça fonctionne hein, ce truc, hein, je vous le dis. Ok, cool. Yes, 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 yes. Et donc, du coup, on peut mettre une style sheet aussi, c'est vrai, cool. Mais donc, ce truc-là, derrière, comment ça fonctionne? C'est ça que je veux savoir. Comment ça fonctionne? Tac, 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 on s'en fout. Donc, j'ai ma UI, elle est où? Ici. Mais j'ai ma main view, on peut pas la drag and drop. Donc, du coup, à mon avis, il faut passer par un truc à part. UI. Bah je crois pas, je crois qu'il faut passer par un autre truc. Je vais voir si je fais UI ici. Qu'est-ce que j'ai en UI? Oula. Bon on va sortir. Ah UI Toolkit, je l'ai vu, il y a un truc. UI Toolkit. Panel Recaster, ça doit être ça à mon avis. Panel Event Handler. Ok. Je sais pas du tout dont... Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Alors attendez, on va regarder la doc. Peut-être qu'il y a une histoire dans la doc, je vais devoir. Donc oui, on a bien l'interface avec tous les trucs qui sont présentés. Ah, on peut afficher du coup le code directement. Alors attendez, faites voir. Attendez, ça change tout. Si on peut voir le code, c'est bon. Tranquille alors. C'est bon. Faites voir. Ah oui, on peut voir le code ici, c'est vrai. Nice. Ouf. Oui, ok, d'accord. XML, là, là, là. Picking mode, ouais, donc c'est vraiment de. C'est vraiment du XML pur. Hein. On est vraiment dedans. Ouah, c'est lourd hein, comme écriture quand même. On va pas se mentir, hein, c'est un peu lourd.
UI Elements, blablabla. Editor Extension, d'accord. Low Limit. Donc, ouais, tu peux faire tes trucs à la mano ici. C'est voir si je fais une progress bar en dessous. Ok. Ok, my progress, blablabla. Non, d'accord, ok, c'est cool. Non, mais c'est cool, c'est cool. Hein. D'accord. Donc pour l'instant, je vois pas très bien comment on s'en sert et comment on instancie tout ça, hein, on va pas se mentir. Tac, tac, tac. Ça m'a l'air pour l'instant stable. Hein. on va pas jeter la charrue avant les bœufs, mais ça m'a l'air plus stable quand même. Comment on le setup maintenant? Ça que je veux savoir. Getting started. Tac, tac, tac. Creating et managing. Blablabla. Setting up the edit time. On s'en fout. Runtime. Ok. Ouais, mais il y a bien un truc qui va le mettre dans l'UI en fait, ça. Install, structuring, testing. Testing UI builder, je m'en fous. Styling, je m'en fous. Comment je le mets? Comment je le mets dans mon projet, ça, c'est ce que je veux savoir, moi. Comment je le mets dans ma vue? Comment je le mets dans ma vue, en fait? Alors ça, c'est le edit canvas, je m'en fous, moi. C'est edit time canvas, blablabla, runtime. Il n'y avait pas un lien? Bah, je vois pas où est-ce qu'il faut mettre le lien, quoi. Tac, tac, tac. Je comprends pas le truc. Dans testing, fais voir. Testing runtime UI. Non. Non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, mais il y a forcément un truc que j'ai pas vu. Hiérarchie, librairie. Comment ça se fait que... Ah, attendez, non, mais attends, mais ça, c'est un truc de fou. Comment ça se fait que dans une documentation, il t'explique pas la base de la base, à savoir l'afficher dans ton runtime? C'est la base, tu vois, c'est quand même l'intérêt du truc, quoi. Comment ça se fait que il t'explique pas, genre, oui, alors pour l'afficher dans le runtime, il faut faire... Non, c'est la base de la base. C'est où que ça fait? Project Settings, Finding UI Builder. Ouais, mais là, c'est pour les extensions, quoi. C'est pas ça que je veux, moi. C'est dans Overview. Package Manager, là, c'est pour setup le UI Builder, d'accord. Rich Text. C'est pas possible, je suis pas fou quand même à un moment. Je suis pas fou. Il y a un problème. Style Sheet, Library. Hiérarchie, viewport, code preview. Non, getting started, non, ça doit être là-dedans. Find the UI builder, file. Parce que là, ils disent effectivement pour ouvrir l'UI, mais ensuite, pour la mettre en jeu, pour la mettre en jeu, c'est comment? Est-ce qu'on va se retrouver à regarder des tutos? Est-ce qu'on va vraiment regarder des tutos sur YouTube? Il y a un truc que je comprends pas là. C'est abusé quoi. UI Toolkit. UI Builder. Parce que ça, c'est un vieux truc. Voilà, ça, je me souviens de ce truc-là, mais... comment ils le mettent? Faut pas intégrer dans une simple canvas. Non, parce que ça se base pas sur les canvas de Unity en fait. C'est ça le truc. Putain, c'est pas possible. Oula. Oh. Alors, attends. Alors, new event, how to use it? Ah, ben voilà. Putain, il faut que ce soit sur. Tac, tac, tac. Il faut aller où dans? Panel renderer? Qu'est-ce que c'est que ça? Panel renderer? C'est dans quoi ça? Ah ouais, panel renderer. Mais c'est dans quoi ça? Est-ce que je l'ai pas moi, panel renderer? Attends, 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 je suis pas fou. Attends, base tool est fait. Layout? Attends, c'est dans quoi, panel renderer? UI peut-être? Non? C'est-à-dire qu'ils ont... Il y a un script, mais tu sais pas dans quoi il est. Rendering, peut-être.
Streaming contrôleur. Ah ouais, d'accord, c'est classé à la zob ici en fait, c'est ça? C'est sûr. C'est sûr, c'est classé à la zob, c'est pas possible. Même pas, ça a pas l'air d'être là. Enfin, je. Ok, donc c'est un renderer. C'est panel renderer. Et il est où? Ah non, mais il est même pas en plus, je suis bête, je le vois même pas. Attendez, 2 secondes. Attendez, attendez. Wait, wait, il y a un problème là. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien pour l'afficher, quoi, le machin, on est d'accord. Attends, il y a un problème. Runtime. Attends, runtime, UI, core. Et dedans, il y a quoi? Comme fichier, stencil, blablabla, je m'en fous. Layout. Mais ça, c'est le package UI de Unity. Attendez, ça, c'est le package UI de Unity. Je m'en fous, moi, du package UI. Hein. Il y a un... Ça va finir dans un Text Mesh Pro. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Attendez 2 secondes. C'est pas possible. Attends, de quoi il me parle? Ça n'existe pas, panel renderer. Attends. Ah, peut-être qu'il faut le UI runtime aussi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, ils ont séparé le builder et le runtime. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Attends. Ouais, j'avoue, j'ai pas. Si, j'ai Unity UI, il est là. Attends, mais peut-être que. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas un runtime aussi? Fais voir. Unity UI runtime. Toolkit. Je sais même pas quoi taper comme terme, quoi. Ok. Alors, UI system, UI asset. Tac, UI toolkit samples. Ah, il y a des samples. Enfin, il y a des exemples. For real. Ah, il y a des samples. Attendez. Attendez, il y a des samples. On va tester. Fais voir. On va tester du coup. Donc, c'est dans les samples UI builder, blablabla. Cool. Yes. Yes. Trop bien. Et donc mais où? J'ai pas compris. Yes. Et les scènes du coup pour tester. Parce que ça, je peux pas le Yes. Trop bien ton sample, merci. C'est un outil pour faire des maquettes. C'est abusé. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Qu'est-ce que c'est que cette chose, s'il vous plaît? Donc ça, c'est la documentation de UI Builder, ok. UI Toolkit, pas qu'il... Attendez 2 secondes, c'est un monde de fou. UI System, qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Ok, je peux pas cliquer. UI Toolkit Runtime Support. UI Renderer, Rendering System Built. D'accord, ok, et donc? Attends, c'est... Bah je l'ai comme Unity UI, je l'ai. Attends, il se fout de ma gueule ou comment ça se passe hein? UI Asset, UI Tool and Resources. Non mais c'est moi où il y a un problème. C'est moi où il y a un problème. Il y a un truc qui va pas. Un UI renderer? Peut-être qu'il y a un renderer, mais fais voir. Fais voir. J'ai rien moi, renderer, UI, rien du tout moi. Bah non, enfin c'est des samples, je suis pas censé les DL. C'est ça qui est ouf. Attendez, mais et pourquoi c'est aussi galère déjà comme truc? C'est pas normal. UI Builder Text Shadow. Alors à moins qu'il y ait un truc, fais voir peut-être qu'il y a un... Component, UI, UI Toolkit, Effect, non. Et incroyable comme truc. Vraiment, j'ai juré, c'est incroyable. Est-ce que je désample? Ok. Non mais c'est cool, hein. C'est cool, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est conceptuel.
C'est conceptuel. Il faut dire ce qui est. On est en train de perdre notre soirée à essayer de comprendre un truc qui devrait être bateau, tu vois. Pourtant, je pense pas être teubé quand même. Hein, je comprends. Je comprends pas là. Attends. C'est peut-être qu'on est mauvais. Je sais pas un moment. Pour l'instant, tu me l'as bien vendu au début, mais c'est pas super concluant le apte pour la prod. Non, non, c'est jamais dit que. Alors attends. J'ai jamais dit que c'était ready pour une prod. Hein, ça, jamais. J'ai dit que c'était en preview, donc de base, c'est pas fait pour une prod. En revanche, je reste quand même curieux de savoir comment ça s'utilise. Ah oui, ready pour le test. Je veux bien, mais ouais, on va tenter. Mais enfin, c'est ça, runtime. C'est. Enfin, je comprends pas. J'ai pas à faire ça, quoi. Enfin, je sais pas, moi. C'est Unity UI, Unity Runtime, non? Ah ouais, c'est UI Element Runtime. Oh putain, c'est pas possible. Non, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça, regarde, de janvier 2020, c'est pas possible. Ça peut pas être ça. Ah non, non. Oh putain, mais sauvez-moi, quoi. C'est pas possible. Ça peut pas être ça. Le truc, il a pas été update depuis 2 ans. C'est quoi ça? On est où? On est où là? C'est pas possible. Mais il est nulle part en plus. Attends, mais qu'est-ce que c'est? Panel? Ah, mais c'est même pas ça, j'arrive même pas à le choper. Unity Runtime, blablabla, qu'est-ce que c'est? Could not be found. Ah ouais, c'est ça, donc c'est pas bon. Non, non, c'est pas bon. Non, non, Internal Bridge. Non, non, il est pas bon lui. C'est pas possible. C'est que du coup c'est pas ça. Mais du coup c'est comment? Je comprends pas. Si c'est pas ça, c'est quoi? Attends et. On va faire how to use UI Builder Unity in runtime. Voilà, c'est pas possible. Ah mais je tombe sur des posts pareils quoi. Ah voilà, Coco Code. Voilà, il y a quelques mois. C'est peut-être bon. C'est peut-être bon. Attends, fais voir. Comment il fait ça? Utilise Unity Builder. Ok, pour l'instant. Pour l'instant. Attendez. Pour l'instant, c'est pas planté, les gars. On s'est pas planté. C'est bon. Et donc ensuite. Bon, là, c'est. C'est quoi ça? Community UI. Builder. Ok. C'est pas planté. Setup. Comment tu setup ça? Ah, mais voilà, c'est ça que j'ai pas! UI document, c'est ça que j'ai pas en fait. C'est ça que j'ai pas. Je l'ai pas ça en fait. C'est pour ça qu'on galère en fait. Je l'ai pas ce truc, UI document. C'est pas possible, ils l'ont pas retiré de leur package, il y a un problème. Putain, je. Attends, il y a un truc qui me. Ou alors, c'est parce que je suis sur la 2021? C'est peut-être parce que je suis sur la 2021? Mais non. Mais non. UI Toolkit, fais voir. For some new development, it's missing feature. Ok. Mais ça, on s'en fout. C'est pas possible. Non, mais c'est. Je veux pas croire que les gars, ils aient supprimé un fichier d'une version à une autre. C'est pas possible. Je peux pas le croire, ça. C'est pas possible. Pour moi, c'est. C'est pas normal, même. Enfin, c'est pas normal, quoi. Ah, le preview. Alors, attends, peut-être que dans le post de Unity, ils le disent. Regarde dans l'onglet package. Oui, enfin. Je veux bien, mais non. Enfin. Je veux bien, mais. Mais y a rien, quoi. Y a zéro info, quoi. The UI Builder, to open UI Builder, section window.
Is a VL authoring for UL toolkit to enable runtime support in Unity. Install the UI toolkit package. Quoi? Ah, donc en fait, j'ai pas le UI toolkit package? Attends. Attends. Quoi? Attends, quoi? UI builder plus toolkit? Mais donc, du coup, c'est quoi? C'est UI. Attends, c'est community UI toolkit du coup? Il n'existe pas toolkit. C'est builder.toolkit? Non, attends, ça n'existe pas build. Attends, builder.toolkit? Attends, je comprends pas. Non, ça c'est quoi Unity toolkit? C'est Unity UI ou c'est UI toolkit? Non, ça n'existe pas. Attends, il est où UI toolkit? Moi, je le veux bien. Parce que là, ça passe par UI tout court, ça je l'ai. UI Builder, je l'ai, et c'est tout. Regarde, à une minute... Attends, quelle vidéo, celle que je viens de voir? 1 minute 51. Eh oui, mais... ok, mais il est où, UI Toolkit? Il est où, UI Toolkit? Je l'ai pas, UI Toolkit. On est d'accord qu'il est nulle part, ce machin. Attends, Unity Package. Mais je devrais pas avoir à chercher moi-même sur Google chacun des trucs, c'est pas possible. Mais c'est ça, c'est comme Unity UI, mais je l'ai. Mais ça, je jure, je vais péter un câble, je vous jure. Hein. Je l'ai, c'est que je... Je jure, je pète un câble, hein. Ah, si ça me rajoute UI Toolkit, je pète un câble. Vraiment, là. Je serre. Hein. Vraiment, je serre. Ça mouline, hein. Oh, mais putain. Putain, sauvez-moi. Sauvez-moi! Mais comment tu peux oser faire un package qui s'appelle comme Unity UI et qui soit pas justement le package Unity UI? C'est quoi? Mais comment? Comment vous pouvez faire ça? C'est pas possible! Mais c'est impressionnant! Mais comment quoi? Comment? Mais c'est. J'ai jamais vu un truc plus illogique que ça quoi! Mais ça doit être. Le Community UI là, ça doit être Community UI module à mon avis! Mais sauf que c'est débile, c'est demeuré, ils ont pas mis comme Unity UI module. En fait, c'est simple. Le problème, il aurait dû être réglé en ouvrant le manifeste, le package.json. C'est tout. À partir de ce point-là, on aurait dû ouvrir le package.json pour voir les vrais noms des paquets. Parce que là, c'est la merde. Vraiment, je comprends pas. Hein. Vous savez quoi, on va le faire. On va faire ça de suite. Là, je commence à péter un câble. Attendez. Ouvrir dans l'exportateur de fichiers package mais je vais les franchement je on a perdu 20 à 25 minutes pour ça quand même hein. C'est parce qu'en fait le package de UI s'appelle module package UI. Et l'autre, il s'appelle juste UI. Je vais serrer. Je jure, je vais serrer, quoi. Oh, heureusement que j'ai de la patience. Hein. Heureusement que j'ai de la patience. Hein. Ah, ça serait pas le cas, je... Et heureusement que vous avez de la patience aussi, hein, qui suivez le chat, qui suivez le stream, là. Vous êtes patient, vous aussi. Hein. C'est dingue, hein.
Ok. Donc là, j'ai peut-être des exemples, fais voir. Okay, j'ai en route. Alors. Ok. Ok, d'accord. Donc du coup, les exemples. Rotator, UI Projection. Bah, ouais, les exemples, il n'y a pas de scène? Il n'y a pas de scène d'exemple qui peut être utile là? Un truc cool. Je sais pas. UI Toolkit. Peut-être un éditeur. Rendering. Non. Non plus. Il n'y a pas d'exemple intéressant? Scène. Non. Il y a des settings, Ah oui, c'est clair, ouais. Ouais, bien sûr. Un développeur sans patience, il part élever des chèvres avant ses 30 ans, tout à fait. Ah, tout à fait. C'est... Ah ouais, là, c'est abusé. Donc là, maintenant, je dois avoir un UI Toolkit avec le UI Document. Et donc, du coup, je peux prendre mon panel qui est... Je sais pas où. Ah, donc en fait, les panels, c'est des trucs définis, des settings. Et ensuite, tu choisis qu'est-ce que tu veux. Bah, par exemple, la main view. Ah! Ah ouais, bah putain, ça marche bien. Putain, c'est cool. Là, ça marche super bien, par contre. Hein. Ah, une fois... Ah ouais. Une fois que tu l'as mis en place... Ah ouais, là, ça marche bien. Ah, c'est clair que ça marche pas une fois que tu l'as mis en place. Hein. Mais qu'une fois que tu l'as mis en place. Hein. Ah ouais, c'est cool. Là, par contre, c'est cool. Et du coup, ça se scale... Ah, c'est pas mal, en vrai. C'est vraiment pas dégueu du tout, hein, je dirais même. Hein. Et ça bouffe beaucoup en performance ou pas du tout ce truc? C'est pas mal. Attends, du coup, si je fais du. Fais voir. Si je fais du full HD. Ouf! Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, d'accord, ok. Donc, du coup, ça se scale vraiment effectivement au truc. Et fais voir. Et si je fais plutôt en match en 1220 par 720. Fais voir. Ok, donc. Ah ouais, d'accord, ça se match pas du tout avec la game view. Ok, d'accord. Ok. Ouais, donc ensuite derrière, faut réaugmenter la taille des trucs, je vais voir. Donc du coup, admettons, si je prends le progress. Ouais, non, ça change rien. Ok. Bien sûr que l'on patiente. On attend le time ASMR. Mais vous habituez pas à la ASMR, sérieux, sur ce micro. Enfin, je suis pas fait pour la ASMR. J'ai pas une voix faite pour la ASMR. J'ai pas. Voilà, c'est pas pour moi la ASMR. Tu peux mettre des préfabs là-dedans? Non. Je pense que tu peux. En fait, c'est pas des... Je pense que tu peux pas mettre des préfabs. Mais tu peux imbriquer des vues, à mon avis. Genre par exemple. Admettons. Ah tu vois, admettons, je fais une autre vue. Je sais pas comment on fait d'ailleurs. Add tab, toolkit. Comment on fait une autre vue d'ailleurs, ici? Attends. Comment je fais une autre vue? Faut que je ferme et que je refasse une autre vue, fais voir. Create UI Toolkit. Si je crée un document, on va l'appeler Nested View, admettons. Nested View. Et donc cette vue-là, donc admettons, c'est un truc comme ça, dans lequel il y a, je sais pas moi, un bouton qu'on va mettre ici. Voilà, le bouton, il a cette taille-là, c'est bien, voilà. Et donc, je pense qu'à mon avis, dans cette main view, tu peux foutre ici, je sais pas comment, mais à mon avis, tu peux mettre le... T'as vu quoi? Fais voir si j'arrive à... Fais voir, ça doit être un truc comme ça. Non. Je suis sûr, il y a moyen. Je suis sûr, il y a moyen. Ah voilà, j'ai une nested view. Ah voilà, tu vois, je peux la mettre ici. Voilà. En fait, du coup, j'ai mon truc de projet. Genre une sorte d'inventaire que tu peux faire une liste de vues qui contient des images et textes. Ouais, bah c'est ça, regarde. Là par exemple, j'ai fait un truc. Tac, j'ai fait mon visual element. Ou même d'ailleurs, je peux mettre ma nested view ici en fait. Voilà, ici, j'ai ma nested view ici, directement. Et je peux même la dupliquer. Tu vois, je peux en mettre plusieurs d'affilée. Ce qui fait que, voilà, si j'en modifie une. Fais voir, je sais pas si je peux l'ouvrir. Ah oui, je peux les ouvrir. Ah oui, c'est ça en fait. Je peux les ouvrir directement depuis l'onglet projet en fait. Ok, donc là, si je l'ouvre, ouais, je save. Et que je décide en plus de rajouter, je sais pas moi, un label ici. Donc le label. On peut pas faire en sorte que la taille elle soit.
flex, fais voir. Ah, on peut flex le truc et tout. Oh là 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 là. Ouais, en fait, c'est plutôt intéressant, je trouve. C'est vraiment pas mal en vrai. Hein. Ça, c'est vraiment cool pour l'instant. Ah, attends, fais voir. Je veux juste voir pour la taille. Machine selector. Ouais, t'as des trucs pour les sélectionner. Ouais, c'est vraiment de l'HTML, quoi, finalement. Background text. Ah, ouais, le texte. Il doit y avoir un truc automatique, non? Ouais, en pourcentage. Fais voir. Ouais, il doit y avoir un truc où je peux régler la taille automatiquement, tu sais, en... Oula. Ouais, il a pas aimé. Il a pas aimé du tout. C'est peut-être size, auto. Ah ouais, si je fais en auto, la hauteur, fais voir. Ah ouais, non, ça, il supporte pas. Fais voir si je fais en auto. Et que la taille ici, je la mets en pixels. Ah ouais, donc ça règle... Ah oui, d'accord, ok, c'est l'inverse, c'est pas dans ce sens-là. Pardon, excuse-moi, du coup j'ai pas lu le chat. Reste plus qu'à trouver comment tu modifies ça via le code. Bah en fait, t'as des sélecteurs. Tu peux faire des noms, tu peux faire des datas, tu peux faire... Voilà, d'ailleurs, tu peux placer tes datas. C'est oufissime, hein, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est cool. Ça a l'air prometteur, surtout pour ouvrir les champs des applis web. Mais en vrai, le XML, pour faire de l'UI, c'est vraiment pas bête pour faire du jeu vidéo, puisque au moins ça te permet d'avoir un truc vraiment carré et cadré, en fait. Donc c'est pas mal, j'aime bien. Des fois, on a du dev mobile à faire, mais on part sur des trucs genre Unity, car c'est un peu nul pour les interfaces. Dev mobile, oui, bah, tu peux partir sur des apps React, tu peux partir sur du Ionic, tu peux partir sur du Xamarin, tu peux partir sur plein de trucs, quoi. Ça pourrait permettre de faire des trucs serious game. Bah, là, totalement, oui, par contre, oui, totalement. Là, de ce que je vois, en tout cas, de ce que je vois, ça peut partir totalement sur des apps serious game, en vrai. Ça sert pour ça. Ah, putain, t'as même une preview de ta vue, en fait. C'est cool. Eh, mais c'est vraiment pas mal en vrai comme truc, hein. Je suis pas mal fan. Tac, tu peux choisir ouais, c'est pas mal. C'est plutôt cool, et du coup, ça se répercute directement en jeu, quoi. Nice. C'est cool, ça, par contre. Et du coup, t'as le sort order aussi, tout pareil. Putain, c'est vraiment intéressant. Et du coup, si tu changes directement la vue... Ah ouais, c'est cool, ça. Putain, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Fais voir. C'est quoi, ça? Hop. Ah, j'ai perdu ma vue. J'ai perdu mon souris. Comment on tape? Press spacebar. J'ai pas compris. Il se passe rien, j'ai pas compris. Il doit y avoir aussi un autre truc. Fais voir, event keyboard. Blablabla. Ça doit être bindé à un script spécial, à mon avis, fais voir. Keyboard, events. Ah oui, c'est un... Ok, d'accord, c'est un truc spécial. Tac, tac, tac. Ok, source asset, style asset, sample. Fais voir, c'est quoi keyboard event? Ça requiert le truc, ok. Faudrait voir sur des grosses apps métiers si ça permet d'être efficace. Ça pourrait être cool pour des apps où on visualise des objets 3D avec pas mal de formulaires derrière. Ouais, c'est cool en vrai. C'est totalement ça, ouais. C'est vrai qu'il y a une idée derrière tout ça. C'est cool. Je pense que ça peut être intéressant. Je vais voir du coup. Oh, le tap. Il marche pas grand. Marche pas des masses, hein, le tap. Comment il fonctionne ce truc? Tac tac tac. Donc c'est un mono behavior qui utilise le UI document. Pourquoi il utilise le UI document en vrai? Ok. Pas grand chose, hein, visiblement. On key up. Tac tap element. Focus. Register callback. Key up. C'est quoi Q? Route. Ah ouais, c'est ça en fait, regarde, tu vois, tu peux faire des sélecteurs en fait pour récupérer tes éléments dans ta vue. C'est pareil, exactement pareil que du JS, du web, ce que tu veux en fait. C'est tout pareil. Pour binder tes data et tout, c'est tout pareil. Tu fais tes sélecteurs et ensuite tu dis, bah voilà, tu prends tel identifiant, ça devient telle data. Pour binder tes vues à ton truc, quoi, c'est...
C'est vraiment pareil, quoi. C'est vraiment pareil. Ce qui est intéressant, du coup. Ce qui est très intéressant. Par contre, à voir derrière comment tu peux gérer des affichages très stylés ou pas derrière avec ce genre de bail. Attends, je sais pas si je peux supprimer. Fais voir. On va remettre la main view. Au final, c'est parti en découverte du truc. C'est parti en mode découverte de UI Toolkit ce soir. C'était abusé. C'était pas prévu, hein. C'était pas prévu, mais on m'a lancé dessus, je suis pour rien. Tac, 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 tac. Yes. C'était pas prévu. Si vous avez des questions, des bails comme ça. Ah putain, le moment SMR. Le moment SMR. Ceux qui ont envie de pisser, c'est pas le moment. Hein. On sera pas perdu, on s'y penchera sûrement pour quelques protos. On fait de temps en temps des applis de vue 3D de matériel. Oui, ouais. Non mais c'est cool. Justement, moi, je pense qu'en vrai, là, de ce que tu me dis, effectivement, ça peut être une très bonne alternative. Point important à voir, c'est ça pour moi. C'est le profiling du truc, quoi. Fais voir, parce que... Alors, attends, je sais pas comment je peux gérer ça. Attends, fais voir. C'est voir à quel point as-tu testé ML Agent? Absolument pas, et pour la simple et bonne raison que je ne fais pas je ne fais pas de comment dire de machine learning. Voilà, je ne fais pas de machine learning, désolé. Je ne fais pas, je n'en ai jamais fait, je ne sais pas en faire, je n'ai pas appris à en faire et je ne me suis pas jamais renseigné sur comment en faire. Voilà, je vous le dis de suite. Ça peut être un sujet de vidéo. Ça peut être un sujet de live. Le problème que j'ai avec le machine learning, c'est que j'ai absolument aucune notion de machine learning. Aucune. C'est-à-dire que voilà, j'ai jamais eu l'occasion d'en avoir, d'apprendre ce que c'est, de comprendre. Si j'ai. Alors, les notions que j'ai, je parle d'un point de code. J'ai vu l'épisode de Post-Process qui parle du machine learning sur. Je sais plus quel épisode c'est. Excellent, excellent épisode de Post-Process. La vie, je crois que c'est la vie. La vie dans votre ordinateur, je crois que c'est ça. Et le deep learning aussi. Excellent, excellent. De toute façon, tous les épisodes de post-process sont excellents. J'ai vu effectivement les épisodes, mais je n'ai absolument aucune notion de process, de trucs comme ça, quoi. Ah oui, voilà la nouveauté! Vous avez vu? Il y a un petit smiley qui vole. Et... Je suis un vrai Twitcher! Je fais partie du Twitch game! J'ai des smileys qui volent quand les gens balancent des smileys! C'est partie du Twitch game! C'est fouf, putain, il faut ça, il en faut peu! T'as des clics sur des boutons, tu mets ta carte bleue pour Amazon, tu fais des trucs random alors qu'en vrai, tu suis des tutos! Tu parlais pour le machine learning là? Parce que le machine learning, j'ai vraiment aucune notion, hein. Aucune notion de machine learning, hein. Vraiment, je. Par exemple, tu me dis. Alors, je comprends le principe de ton IA qui va apprendre sur les sessions d'avant. Voilà, ça, je comprends tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas lancer plusieurs séries avec différents paramétrages. Et tu fais une sélection naturelle de chaque génération pour dire, voilà, bah, peu à peu, la machine, elle va effectivement comprendre. Ouais, ok, je comprends le principe. Maintenant, tu me dis, tu le refais en code, je sais pas faire. J'ai aucune idée de comment le faire, en vrai. J'ai vraiment aucune notion en termes de dev, je vois pas comment je peux réussir à faire marcher une IA, tu vois. Ça, c'est un truc, je vois vraiment pas. Ou conduire une voiture, tu vois. Aucune idée, quoi. Ah non, mais c'est totalement amusant, tout à fait. Je suis sûr que c'est amusant, hein, mais. Et je suis sûr que. Voilà, ça peut être effectivement pas très compliqué. Mais pour moi, en fait, je pense que ça demanderait tellement de temps que j'y consacre à comprendre le principe juste sur le plan théorique. Et ensuite, tellement de temps à le mettre en pratique que je trouverais pas. Enfin, j'aurais jamais le temps, tu vois, c'est chaud. Non mais que t'aies des agents qui balancent ça, c'est pas le problème. En fait, c'est pas ML Agent le problème. Le problème, c'est que je ne sais pas faire de base du machine learning pour comprendre un petit peu comment ensuite je peux balancer ça du machine learning en ligne, quoi, tu vois.
Non, mais je comprends tout à fait le principe. Mais c'est juste que je ne sais pas paramétrer en amont une IA pour qu'elle comprenne, pour qu'elle fasse plein de trucs aléatoires et qu'ensuite elle comprenne que faut qu'elle réduise son champ de possible et qu'elle réduise et qu'elle réduise. Enfin, je vois pas comment. Je sais pas faire. Je comprends pas. Là, vous me parlez d'un truc qui est stratosphérique pour moi. C'est. Moi, je sais faire. Je sais faire. Je dis pas que je veux pas apprendre, hein. Je dis juste que pour l'instant j'ai pas le temps d'apprendre. Mais je sais faire de lui, du gameplay, je sais faire du serveur, je sais faire du networking. Et je fais à côté, je fais de la musique, je compose pour des projets perso. Je stream, j'essaie de caler un peu de temps pour jouer. À un moment, je peux pas. Voilà, je sais pas. En vrai, à un moment, c'est pas possible. Je peux pas tout faire à un moment. C'est ça qui me manque en fait. Putain, c'est dingue. Faudrait que je me dédouble. En fait, faudrait que on arrive à inventer le clonage humain et que je me clone en fait. Et que du coup, mes clones fassent des trucs à côté et mes clones, ils font des trucs à côté que moi, j'ai pas le temps de faire. Ah, ça serait trop ouf là. Ça serait génial. Hein. Le chômage. Ouais, mais l'alternative du chômage, c'est aussi le manque d'argent, tu vois. Donc bon, je dis pas que. Non, mais le chômage, ça va, quoi, au bout d'un moment. Mais voilà, je dis pas que. C'est vrai que le chômage serait une bonne alternative, putain, pour apprendre, effectivement. Après, il y a aussi le fait que t'es. Alors justement, je me renseigne un petit peu là-dessus en ce moment. C'est sur le. Attendez, je cherche le terme exact. Le machin là que tu peux payer là. Oh, putain, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle ce machin là? Il y a le Bitcoin. Il y avait le Bitcoin il y a quelques années. J'avoue. C'est bon. Tu gagnes ta vie avec le Bitcoin. C'est bon. T'as pas besoin. C'était bon. Tu peux être au chômage et gagner ta vie avec le Bitcoin. De toute façon, ça n'existe plus les pauvres maintenant dans notre société. Hein. C'est fini. Hein. Ça faut vraiment le vouloir pour être pauvre. Hein. Putain, en 2021. J'ai cherché, c'est le compte CPF. Voilà, chercher le terme, c'était le compte CPF. Je suis en train de voir avec mon compte CPF s'il n'y a pas moyen de faire des formations. Parce que ça peut être cool. Mais après, je sais pas si le machine learning, c'est vraiment une formation qui m'intéresserait en vrai. En l'état, il y a tellement d'autres trucs qui pourraient m'intéresser que je sais pas si ça pourrait être intéressant. Je sais pas. En vrai, je pourrais pas dire. Test UI Toolkit. Putain, c'est vraiment un live chill ce soir, c'est cool. Vraiment là, pas les steaks. On parle de la famine dans le monde, hein, y a pas de soucis. UI Document. Du coup, panel. On va prendre le panel classique. Et donc, le keyboard. Attends, je vais juste tester ça parce que ça me surprend ce truc, c'est pas mal. Hein. Et keyboard. Event keyboard, on va voir. Je suis très curieux de ce truc. Ah, c'est espace. Ah, ça calcule ton BPM et tout. Ok. Et donc, en fait, t'as la vue qui est ici, qui va prendre en compte ce truc-là. Ok. Par contre, il y a moyen que j'ai. Ah, ok, ça se scale. Fais voir. Ça se scale vraiment bien ou pas? Ah, le texte du se scale pas tout le temps. Il y a des trucs, à mon avis, il va falloir revoir un petit peu. Parce que là, par exemple, c'est illisible hein, comme truc. Je sais pas s'il y a des sortes de canvas scaler ou genre de trucs, ou alors c'est juste la UI qu'il faut gérer d'une certaine manière, je sais pas. Bouf, aucune idée. Aucune idée de la roadmap, je sais même pas où est-ce qu'elle est. Mais alors attends, on va juste faire un petit brief, parce que tu vas voir, un truc tout con. Voilà, le dernier build, dernier push, il date du 12 octobre. Donc. Logiquement, fais voir. Regarde. Voilà, c'est tous les mois. Tous les mois, il y a un truc, tu vois. Genre là, c'était le. Ouais, bon, c'était juste la veille d'octobre. Donc, on est novembre. Ils ont toujours rien publié. Ouais. Bah, écoute, ça va être un petit peu long, quoi, hein. Ouais, je pense qu'à mon avis, c'est pas encore fini. Hein. Après, ça m'a l'air, pour une preview,
Je le dis, hein, pour une preview, ça m'a l'air très stable quand même. Hein. C'est juste que c'est le bordel, hein. Mais ça m'a l'air stable. Et c'est d'autant plus le bordel que tu ne le vois même pas dans le, Unity Registry en fait. C'est-à-dire qu'il est, il apparaît pas le truc. Hein. Mais oh, it's okay. Hein. En soi, c'est cool. Hein. Et en plus, j'adore le principe. C'est juste que là, actuellement, avant que tu passes ton projet sur le UI Toolkit, à mon avis, il y a quand même un long temps d'adaptation. C'est stable, mais il y a trois composants. Oui, non, mais je veux dire, c'est stable. En fait, t'as des trucs, t'as des projets, en fait, t'as des packages, en fait. Juste le simple fait que. Comment dire? Juste le simple fait de les installer et de triturer, ça crache dès le début, tu vois. T'as des paquets comme ça, là, ça va, c'est ok. Ça me semble ok. Moi, ce qui me semble un peu moins ok, c'est le scaling des canvas. Ça me semble vraiment pas du tout ok, quoi, tu vois. C'est vraiment chelou, là. Genre là, tu vois. Attends, faut voir. On va essayer de le mettre en plein écran pour essayer de. Discard, on va faire comme ça. J'essaie de le mettre en plein écran pour voir. Ouais, ça va. En vrai, c'est ok. Ça va. Ouais, ça va. Ça me semble ok. Mais du coup, si je le fais en free aspect. Ouais, c'est. Ouf. Ouais, c'est fat. Okay. Et si je le mets plutôt en. Est-ce que j'ai du 1000. Voilà, j'ai du 720p. C'est plutôt ok. Là, en vrai, honnêtement. C'est pas déconnant le scaling en vrai. Il est pas déconnant en vrai. C'est même plutôt logique le scaling qui est là. Ce qui fait que du coup, même si tu matches sur du 1080p, ça peut être intéressant. Et ça, j'avoue que nester les views comme ça, c'est cool. C'est franchement ça en vrai, c'est une bonne chose quoi, que ça fonctionne et tout. Genre typiquement, les vues nestées comme ça, enfin, je sais pas, c'est obligé quoi à un moment. Après moi, alors attends, je vais regarder juste un truc, c'est en termes de ressources que ça prend. Je vais voir où le profiler. Fais voir dans le rendering. Tac tac. Voilà, on casse le plafond. Bah, c'est ouf ça par contre. Fais voir. Est-ce que ça fait partie de lui ou pas ce truc? What? What? Mais non. C'est pas possible. Attends, on est à combien là? Non, c'est pas possible. Ça, j'y crois pas par contre, hein. C'est pas possible. Attendez là, si c'est le cas, c'est complètement fou, hein, ça par contre. Fais voir, UI Detail, attends, fais voir. UI. Mais what? Et si je le désactive, attends, ça peut pas être ça, c'est pas possible. Fais voir. Non, voilà, je me disais bien, c'est pas possible. Ouais, bah si, y a plus rien même en fait là. Fais voir. On est à combien là? Fais voir. Si je l'active. Ouais. Et dans la frame UI ici, fais voir. Ouais, il n'y a pas grand-chose en hein, final. Hein. Des batches, ouais. Ça consomme rien. Enfin, de ce que j'ai l'impression, c'est que ça consomme rien. Ah ouais? Il se passe absolument rien au niveau des FPS, hein. Truc de fou. C'est pas mal là, ça par contre, ce système-là. Attends, fais voir. Si on essaie de comparer à peu près la même chose, admettons, avec une canvas, hein. Fais voir. On va essayer de comparer. On va faire à peu près le même système là que le UI ici, mais avec une canvas. On va essayer de voir. Tac, tac, tac. Fais voir qu'est-ce que j'ai. Canvas. Fais voir. Attends, parce que ça quand même, ça reste.
Si c'est le cas, ça reste bluffant. Hein. Ça, y a pas, y a rien qui est équivalent, hein, je veux dire. On va essayer de refaire pareil, tu sais quoi, en mode YOLO. Tac. Fais voir. Et donc du coup, on a un second panel au-dessus. Hop, on a un second panel ici qui monte jusque là. Dedans, va y avoir le player. Le player, on va dire, qui prend la totalité. Il est centré ici. Il y a players marqué en gros. Fais voir. Juste ça pour voir, par exemple. On va essayer de regarder. Fais voir le nombre de batchs. Putain, en fait, c'est que je vois pas vraiment ce qui. Là, il y a 4 batchs. Avec cet UI-là, il y a 4 batchs. Et avec l'autre UI, il y a 4 batchs également. Ouais, il n'y a pas grand-chose qui change en termes de ressources. Hein. Fais voir. Ah, si, putain, par contre, tu vois l'UI que ça prend, en fait. Fais voir. Et si j'active le rendering en même temps, fais voir. Ouais. Ouais. Ok. Si j'active les deux pour voir, je sais pas. Ouais, non, quand même. J'ai l'impression que ça prend un petit peu de la frame, hein. On va pas se mentir, le UI. En fait, ça bouffe. J'ai l'impression que ça bouffe pas sur l'UI, sur la frame du UI, ça bouffe sur la frame de rendering. J'arrive pas à dire en fait. Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas, j'arrive pas à dire. Peut-être que c'est moi qui ai pas mis assez d'éléments dans ma fenêtre de UI, dans ma fenêtre de canvas ici. Voir. Si je fous bah là, des éléments là-haut, là ici, voir. Ça va être dur de reproduire exactement la même UI, hein, mais bon, écoute, on fait avec ce qu'on peut. Hein. On va faire comme ça, écoute. Fais voir. Ah, c'est du profiling. Hein. C'est totalement du profiling. Après, il n'y a pas besoin d'event system avec le système du UI, là. Ça, c'est cool. Ça, c'est. Enfin, c'est cool, je sais pas, mais. C'est curieux et intéressant quand même. Donc ouais, il y a quand même une petite performance sur ce truc-là quand même, on va pas se mentir. Tac. Fais voir. Tac. Il y a quand même juste quelques millisecondes de plus. Et fais voir si j'active cette canvas. Il y a eu un spike effectivement, mais en fait ouais, ça. Ça bouffe clairement sur la frame du UI en fait, effectivement. Sur cette frame-là, le UI ici. Avec le render. Parce que si je le désactive, tu vois, ça tombe à plat. Mais j'active le UI ici et il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça prend pas du tout. Ça se base pas sur le UI en fait. Ça doit se baser sur un autre truc, je suppose. Je vais voir si je réactive tout pour voir par hasard. On va essayer de faire un autre test, tu vois. Donc là, j'ai mon UI d'activé, je désactive. Il se passe rien. Il se passe rien. Et j'active mon canvas. Ouais, il se passe pas grand-chose non plus. Peut-être un peu plus, je sais pas. Il prend en compte que ce qui est dans le module UI. Bah. Ouais, mais sauf que là, c'est quand même. Enfin bon, si tu regardes en termes d'FPS, regarde, admettons. Là, j'oscille entre 280 et.
et 200 avec les canvas, je sais pas. Donc je désactive. Donc là, je suis proche des 300. Bah, y a des jumps, mais j'attends les 300. Et là, avec celle-ci. Ouais, non, ça se stabilise quand même pas mal au final autour des 280. Il n'y a pas. En tout cas, pour l'instant, ça m'a l'air plus opti. Après, bon, voilà, j'ai pas touché ça à fond, mais ça m'a l'air quand même plus opti qu'une canvas hein, en termes de rendu. En tout cas, ouais, c'est ce que j'ai l'impression que j'en ai. Ah, ça s'est transformé en soirée. Ça s'est transformé en soirée UI Toolkit, en fait. C'est impressionnant. On va terminer par un karaoké. C'est bon. Ah, c'était pas du tout ça à la base, la soirée. C'était pas du tout ça. Oh là là. Autre point, ouais, attendez, faut qu'on discute de ça. Vendredi, je suis censé faire le. Pas karaoké de SMR. Vendredi, je suis censé faire le live matinal, la matinale là de 8h30 à 9h30. Sauf que. Il s'est rien passé cette semaine. Y a rien. Il s'est rien passé cette semaine. C'est le désert, quoi. Y a la sortie de Pokémon Diamant. Enfin, des remakes 4G. Il s'est rien passé en termes d'actu, de nouveautés ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que vraiment c'est pertinent que je fasse la matinale cette semaine alors qu'il s'est rien passé? Ou alors, dans ce cas, si je fais la matinale, je fais pas une matinale de just chatting. Je fais. On fait un autre truc, si vous voulez, quoi. Parce qu'en vrai, il s'est rien passé cette semaine. J'ai noté aucune info. J'ai rien. J'ai nada. Que dalle. Téléachat, les meilleurs propos d'aspirateur. Ah, c'est vrai que c'est le Black Friday vendredi, c'est vrai. C'est vrai que c'est ce vendredi-là le Black Friday. Ah ouais, mais attends. Ouais, mais est-ce que c'est pertinent? Putain, je sais pas quoi faire moi vendredi, hein. Je vous assure, hein. Le retour des RTX. Ouais, j'attends les 3080 moi perso. Parce que... enfin, les 3070, j'attends. Ok, bon, tout ça, ça m'a l'air ok. Tac, on va essayer de virer ce dont on n'a plus besoin. On va essayer de faire un autre bail. On va repartir sur notre main view. Voilà, c'est magnifique. Oh le chial, c'est magnifique. On va repartir sur notre main view. Je vais juste tester un truc sur dans le save ici. Sur la nested view là en fait, j'aimerais bien que le texte du bouton soit comment dire auto-scalé. Je sais pas comment on peut le gérer ça. No wrap, on s'en fout. Je sais pas comment c'est géré ce truc. Pourcentage. Ouais, mais c'est pas un pourcentage que je veux moi. C'est parce que voilà, ça se fait ça après. C'est pas ça que je veux moi. Je le veux en. Putain, en initial, il n'y a rien du coup. C'est chelou comme truc. Ah, en fait, il faut gérer la taille du texte. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est un inversé quoi. Ok, c'est inversé. Et les paddings, ils sont là. Donc, du coup, on va mettre des paddings sur le top. Ça, c'est cool. Putain, mais c'est vraiment cool, hein, en vrai. Non, mais. Vous rigolez, mais je trouve vraiment l'outil ultra intéressant. Et donc ça, c'est le texte du bouton. Tab index, tac, tac, tac. Ok. Ok, d'accord. Cool. Non, non, mais c'est cool, c'est cool. Moi, franchement, je trouve que c'est ultra cool. Ça m'a l'air vraiment bien. Tu fais des folies en CSS maintenant avec ça. Oh, punaise. J'en sais rien, moi. Je sais même pas. Je saurais même pas quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en CSS avec ce truc en vrai? Moi je veux bien, hein, mais. Fais voir. Create a new UCSS, fais voir. Faire UI, on va faire les. Style sheet. On va faire. Je sais pas moi, c'est quoi? C'est nested view. UCSS. Je sais
sais pas moi. Et ensuite derrière, je fais quoi avec ça? Comment je le sors ce truc? Ah putain, faut que j'écrive ici. Je peux pas écrire là comme un schlagasse. Create a new CSS selector. Ok. Je vais voir comment c'est géré. Example. Ok. Et donc ouais, donc on va faire button. Ok. Et on va faire color. Je sais pas moi. Putain, ça fait longtemps que j'ai plus fait de CSS quoi. On fait rouge. C'est pas moi. C'est pas. Unsafe changes. Ok, cool. Je sais même pas. Ouais, j'ai button. Ah putain, mais ça me fait le truc ici. Truc de fou. Ok, cool. Ouais, mais ça doit être le sélecteur, à mon avis, doit être. Ah, donc j'ai même pas besoin de coder en fait. J'ai même pas besoin de coder. Mon sélecteur, ça peut être un truc comme ça, quoi. Non? Button. Ah ouais, c'est ça, c'est en majuscule. Ouf, oh, ça pique les yeux. Ouais, j'ai même pas besoin de coder en fait pour faire mon CSS, c'est ouf. Attendez, on va faire un truc un peu sympa. On va prendre ça. Tac. Hop, on va prendre plutôt comme ça. Tac. Voilà, c'est cool. C'est pas mal. Non, mais c'est bien, on se met bien quoi. Voilà, c'est tranquille, c'est pépouze. Voilà, je mets bouton, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, j'aimerais bien faire un truc, par contre, c'est structurer tout ça, histoire qu'on ait un truc sympathique. C'est de donc faire une sorte de vue ici. Et la vue, elle prendrait que 50% de la taille du truc. Alors, attendez. Comment on pourrait faire ça? Du flex. Fais voir. Shrink, grow, blablabla. Ça serait un peu plus comme ça. Et pareil pour lui. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Ils se mettent pas côte à côte. Display, tac tac tac, visibility, overflow, position relative. Ouais, c'est ça, position relative. Le right, on le met. Ah voilà, 50%. C'est ça. Et lui, le left, on le met à 50% aussi. Ah! Ah! comment ça se gère ce truc? Partir vers en bas. Attends. Comment ça se gère ce truc? Alors, tu peux faire des shadows, radius, inco? Bonne question. Très bonne question, en vrai. Attends, fais voir, on va tester, hein. Si je prends mon bouton, qu'est-ce que j'ai comme utilisation possible? J'ai des borders. Je peux gérer les borders. Fais voir du coup si j'essaie de modifier directement le code ici. C'est comment les shadows déjà? C'est box shadow il me semble. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de CSS. C'est compliqué. Hein. Je sais même pas si ça fonctionne en vrai. Plus de musique. Plus de musique, c'est triste. Hop. Pas sûr que ça fonctionne, hein. Attends, je peux pas modifier le texte ici, dommage. Fais voir. Tac, tac, tac. Ah, mais c'est pas sûr que ça fonctionne, hein. Je te le dis, je suis pas sûr que ça fonctionne. On va essayer de tenter. On va tenter, on fait 0, 0, 8 pixels. 8 pixels, on va se mettre en. Je suis pas sûr, hein, je te le dis. Tac. Ça a pas l'air. Hein. Les shadows, ça a pas l'air. En fait, c'est pas un moteur CSS, hein, comme un vrai moteur d'UI, hein, je pense. Non, ça, à mon avis, ça a pas l'air d'être ça. Ah, tu peux ajouter des trucs à la liste. Tac, t'as le display, le flex, le line, le background. Je sais même pas ce que c'est ce scale mode. C'est quoi ça? Ma foi, aucune idée. Non, tu vois, je suis pas sûr. Par contre, bye qu'on peut faire, c'est ça. Hein. C'est qu'en gros, pour un hover, on peut faire comme ça. Hein. Background color. Et on va partir sur du RGB. Ah, putain, non, attends.
Comment on fait les animations, les transitions? Y a pas tout CSS3. Non, y a pas de CSS3. Mais parce que c'est pas un moteur, c'est pas comme un webkit, hein, ce truc, hein. Faut garder ça en tête, hein. C'est pas comme un webkit, hein. 52, 57, 43, on va dire. Mettons. Ah bah attends, tu sais quoi, on va carrément pas s'embêter après, fais voir. Ok. Donc là, normalement, ce truc-là, quand tu le hover, fais voir si tu fais en preview. Ah ouais, c'est bon, regarde, tu vois. T'as bien le truc là. Je rêve où il y a une ombre. Attends. Attends. Je rêve où il y a une ombre. Tac. Non. Non, c'est pas une ombre. Ça doit être une border ou un truc dans le genre. Et comment tu fais les animations? C'est-à-dire. Comment on fait les animations CSS dans une. Enfin, dans. CSS3 animation. Par exemple, quand tu hover un truc, j'aimerais bien que ça fade, tu vois. Je sais plus comment on fait. C'est animation. Ah ouais, c'est ça. Je crois que c'est animation, fais voir. Animation. Et on fait une seconde pour voir. Ou 3 secondes, histoire qu'on ait bien le temps. Je suis pas sûr que ça fonctionne, hein, mais bon, on peut tenter. Oula. Non, il a pas aimé. Il a pas aimé 3 secondes. Non, animation, à mon avis, il a pas supporté, je pense. Ça, hein, animation. Non, il supporte pas, à mon avis, ça. Non, mais il supporte pas de base. Donc, ça, par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas de transition fade. Tu vois, ça, c'est un petit peu dommage. Fais voir. Tu peux gérer le hover, à mon avis, effectivement, du bouton. D'ailleurs, comment il se gère si tu le gères pas dans le code, comment il se gère ce machin? Il se gère pas du tout, en fait, hein. Je suis pas fou, non? Il se gère pas du tout, hein. Si tu le gères pas dans le code, il se gère pas du tout, hein, ce truc, hein. Bizarre comme truc, ça. C'est un peu dommage. Du coup, attends, on va copier lui pour voir. Et dans le code. Par contre, c'est. No joke, hein. No joke. C'est vraiment très très nice, hein, qu'on puisse faire de lui comme ça. En vrai, j'adore beaucoup. J'adore, hein, franchement. Alors là, par contre, c'est l'inverse, normalement. Je suis pas fou, c'est censé devenir plus éclairé quand je hover le truc, hein. Pas fou quand même. Voir. Ah oui, c'est ça, voilà. Voilà, là c'est un peu plus. Après, ça devrait être de base l'inverse, je pense. Je sais plus. Bref, c'est pas important. Ça serait fou de faire de faire des effets. Bah oui, de ouf. Là, on peut pas mettre de juice. Bah, je crois pas en fait. Hein. C'est ça qui me, ça qui est bizarre. En fait, comme on peut pas faire de d'animation, il y a un texte. Ah attends, il y a un texte shadow. On peut mettre un text shadow, mais c'est tout. On peut pas mettre d'autres. Qu'est-ce que c'est, slice? Je sais pas ce que c'est, slice. Qu'est-ce que c'est ça? Je comprends rien à ce qui se passe. C'est quoi, slice? Et pourquoi ça se rajoute à mon button hover? Ah putain! Tu peux. Oui, c'est. D'accord, ok, j'ai compris. Ok. D'accord, donc en fait t'as le button ici, tu modifies les paramètres et ensuite tu passes sur le hover pour gérer ça. Mais donc du coup faut que tu ajoutes toi-même à la main les sélecteurs. Ah, et donc du coup fais voir les sélecteurs que t'as. Ok, tu rentres tes sélecteurs direct à la main. Oh, attends, en fait t'as même pas besoin de coder quoi. T'as pas besoin de coder. C'est pour coder, c'est pour les anciens quoi, tu vois. D'accord, ok. Tu peux gérer l'opacité. Mais ouais, mais tu peux pas gérer à mon avis le. Il n'y a pas de système pour gérer effectivement la transition entre les deux, pour gérer un peu ça quoi. C'est un peu dommage. Ouais, non. Je suis un peu déçu qu'on peut pas rendre ça un peu plus jouissif. C'est peut-être pour ça que c'est encore rudimentaire. En vrai, alors, je pense que ça peut être ultra cool, effectivement, comme pour faire des interfaces classiques, pour faire des menus, pour faire du serious game par exemple. Je pense que c'est ultra cool. Par contre, oula, je me suis planté sur le truc. Par contre, effectivement, pour faire du menu in-game de jeu, quoi, en fait, vraiment du genre même du gacha ou genre de truc, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, je vais pas mentir. Ça va être compliqué. Ça, c'est quoi ce shrink? Je sais pas ce que c'est. Animate runtime, fais voir. Ouais, mais ça c'est pour animer la progress bar. Fais voir. Donc tac tac tac, d'accord.
Donc ça c'est la progress bar, ok. On regarde un petit peu. Hein. Alors, tac, tac, tac. Donc là c'est pour display. Donc il passe par... ok, par Dot Twin, ok. Par Dot Twin pour à mon avis faire le is, ouais le tout, c'est ça, ok. Dot Twin to, blablabla. Bla, 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 bla. Ouais, ok. Ouais, donc du coup il passe par les sélecteurs, c'est ça, si j'ai pas de bêtises. Comment il fait? Ouais, il passe par les sélecteurs. Il passe par les bounds. Après... ouais d'accord, c'est parce que c'est un truc custom ça. Mais sache ça malheureusement, c'est parce que du coup tu le fais dans le code. Les textes, c'est plus Text Mesh Pro, tout à fait. De ce que je vois là, c'est plus Text Mesh Pro. Hein. C'est passé par texte tout court en fait. Fais voir. Label. Mais c'est plus Text Mesh Pro parce que bah, y a plus besoin de Text Mesh Pro du coup, de cette manière là. T'as toujours le rich text. T'as toujours le rich text. Il est quelque part. Quelque part par là. Je sais pas où. Il y a toujours le rich text. Je sais plus où. Je l'ai vu. J'en suis sûr, je l'ai vu. Et enable rich text, tu vois. Il est toujours hein, le rich text. Donc c'est à dire que si mon label, je lui fais B comme ça, hello, tu vois, ça devient en bold, tu vois. Si je veux mettre une sprite ou un truc comme ça, peut-être, je pense, c'est ok, tu vois. Il y a moyen, je pense. Mais c'est cool. C'est vraiment cool, quoi. Ce que je trouve dommage, c'est effectivement qu'il n'y ait pas les animations de CSS3. C'est justement ça qui fait que tu portes de l'intérêt à faire du CSS dans un moteur, tu vois. Enfin, dans un truc web. Moi, un bail que j'aimerais faire avant qu'on se quitte, parce que c'est quand même assez tard, c'est essayer de voir, de faire un code, donc faire un bout de code, ici. Ah, attendez, UI ici, qui me parle. C'est essayer de faire un bout de code, attendez, qui va manipuler les boutons, et surtout manipuler en fait le contenu des boutons, pour que je vois un petit peu comment ça fonctionne en fait, parce que ça m'intrigue en fait, ça m'intrigue de ouf. On va faire un test manipulation. Manipulate buttons. En fait, chaque vue qu'on a instanciée. Hop, alors ça va pas m'aider. Hein. Si ça fait comme ça, ça va pas m'aider. Chaque vue qu'on a instanciée, en fait, ici, on a besoin de récupérer. On va faire un drag and drop. On va récupérer donc du coup le UI document. Document. Okay, donc du coup ce sera le document. Et en fait ce document là, ça sera on peut faire un queue, c'est ça? Parce que j'ai compris, enfin sur la vue c'est quoi? C'est visualTriAsset.queue, c'est ça? Non, c'est quoi? Comment ils faisaient les sélecteurs? J'avais vu. J'ai fermé la fenêtre, c'est ça? Est-ce que j'ai fermé la fenêtre? Attends, fais voir. Get component UI, root. Ah ouais, c'est avec le root en fait que tu fais tout ça. Ok. Et donc du coup, tu récupères le root. Point root. Le root, c'est quoi comme truc? C'est un visual document. Fais voir. On va faire doc. Donc on récupère. Ah, visual document, je l'ai pas non plus. Ah! Bon, ça, c'est pas un visual document. Qu'est-ce que c'est? Un visual element. Oh là là. Ok, donc j'ai mon element, ouais. Ouais, c'est comme jQuery, quoi. Ah, la vieille époque de jQuery. Oh là là, mon dieu. Ceux qui font du web, ça s'utilise encore, jQuery, pour de vrai? No joke, hein, ça s'utilise encore. C'est pas mort, justement, jQuery, avec toute l'arrivée du des sélecteurs dans le JS, ou même Angular, ou Vue.js, qui est une tuerie. Enfin, Vue.js, je trouve que c'est une tuerie. Bon, après, voilà, on aime ou on n'aime pas, voilà. Mais avec Angular, avec React, je déteste React, mais voilà. Est-ce que c'est pas mort, jQuery, avec tout ça, ceux qui font du web? Parce que nous, quand on fait, enfin nous, depuis notre moteur de jeu Unity, jQuery c'est mort. Ok, merci. Ouais, je m'en doutais un petit peu. Hein.
Je m'en doutais à partir du moment où j'ai vu des frameworks CSS, JS complets, c'est-à-dire des frameworks JS comme. Pas Bootstrap, Bootstrap peut-être c'est encore ce genre de jQuery, mais j'avais vu par exemple Materialize CSS. Materialize CSS qui sont. Ouais, qui sont passés sur une version majeure, ils ont quitté jQuery. Ils ont fait ah ben non, non, plus jQuery. Allez, adieu, démerdez-vous. On fait ça from scratch. Donc je trouvais ça audacieux. Mais c'était il y a longtemps. Hein. Il n'y a que les trucs legacy qu'ils utilisent encore, mais personne ne lance un projet avec depuis 5-6 ans. Ouais, bah c'est ça en fait. J'ai arrêté le web il y a 5-6 ans. Et c'est ça. Ça commençait à mourir en fait, jQuery à l'époque. En fait, c'est simple, ça commence à mourir dès que AngularJS est sorti, ça a commencé à bien le concurrencer. Et puis ensuite, il y a eu Angular 2, puis Vue.js, puis React. Et alors là, c'est fini, jQuery, c'était caput, hein. Plus du tout entendu parler. Et c'est simple, moi j'ai capté ça à partir du moment où j'utilisais beaucoup Materialize CSS. Et d'un coup, Materialize CSS, ils ont dit, hop, on vire jQuery. Maintenant, toutes nos versions, c'est sans jQuery. Et je fais ouais, c'est audacieux quand même. Hein. T'es un gros framework CSS utilisé par pas mal de gens et tout. Même le Vanilla.js fait pas mal de taf. Ben oui, parce que de ce que j'ai vu dans le Vanilla.js, maintenant, t'as les sélecteurs en fait. Donc à partir du moment où t'as les sélecteurs avec le query en fait, vraiment le query qu'il te faut, enfin c'était ça le cœur de jQuery, c'était que t'avais les sélecteurs qui te faisaient ça, tu vois. À partir du moment où le Vanilla.js le fait, bah, il n'y a plus aucun intérêt que derrière. Derrière, tu prennes jQuery, quoi. Donc ouais, je me disais bien que c'était mort. Et jQuery, ça, enfin déjà, ça commençait à péricliter avec jQuery mobile, qui était une aberration sans nom, quoi. Ça me détruit ce truc, hein, jQuery mobile, s'il vous plaît, quoi. Donc là, j'aimerais bien qu'on récupère. Attendez, comment ça fonctionne? UI Visual Element. On va récupérer mroot. Okay. J'aimerais bien récupérer tous les éléments en fait de mon UI. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ça me retourne quoi Q? Un visual element ou plusieurs? En fait, j'aimerais bien me récupérer toutes les vues de mon truc. Fais voir. Ah, class name. Fais voir. Class name. Et on va prendre. Déjà, en fait, il faudrait que tout soit une class name. Attends, on va essayer de faire ça d'abord. On va partir de la main view. Il faudrait que toutes mes nested views. Ah, mais elles ont tous des hashtags. Enfin, des identifiants uniques. Fais voir. Pourquoi ils ont tous des identifiants uniques? C'est pas ce que je veux, moi. Attends. Name. Nested view 1. Ah oui, d'accord, ok. Oui, c'est des identifiants. Donc le name, c'est les identifiants. Ok, d'accord. Donc ouais, il vaut mieux pas qu'ils soient uniques. Ok, c'est les identifiants, c'est les ID. Et donc, j'aimerais bien que toutes mes nested views. Bon, alors, ça, c'est les identifiants tels quels. Mais je veux que mes nested views, tous mes trucs comme ça, là, ils aient une. Ils aient une classe. Allô? Je peux pas mettre une classe dessus, sur mes éléments? Bizarre. À moins que je les récupère par le nom. Mais ça me semble bizarre. Ah non, le nom, c'est l'identifiant. Donc, name, donc le class name. Et le class name, il se met où? Où est-ce que je rentre le class name sur ces trucs-là? Fais voir. Class list. Ben, j'aimerais bien que ce soit... Quoi? J'ai pas compris. Attendez, il y a un truc que j'ai pas compris. On peut pas choisir la classe... Ok, on peut pas choisir la classe de son truc. D'accord. Ok. Dessus. Et donc là, du coup, sur ces trucs là, ah oui, d'accord, les nested views, ça peut pas être des classes. C'est bizarre, ça. C'est un peu dommage quand même, du coup, parce que du coup je peux pas sélectionner une vue en particulier. C'est dommage. À moins que fais voir. À moins que ça soit des UI documents que je récupère. Et donc là, fais voir. Comment ça fonctionne du coup si je récupère des UI documents? Class name. Ah ouais, mais je peux pas en récupérer. Ah, je suis obligé d'en récupérer qu'un. Ah, c'est bizarre quand même comme sélecteur ça par contre. Fais voir comment ça fonctionne.
Comment il gère? Là par exemple c'est le... Ouais tu récupères un label, tu récupères un truc, blablabla. Ouais tu récupères vraiment un par un les trucs quoi, c'est dommage. Fais voir, dans la documentation de UI Toolkit, il y a des trucs sympas ou pas? Pour récupérer. Working. Fais voir. Donc ça c'est pour faire des trucs custom. Et sinon UI tout court, fais voir. XML document, blablabla. L'API de la documentation, fais voir. Tac 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 tac. Ouf, ouais, bon, il y a pas encore vraiment de documentation tuto en fait. Data binding, layout engine, fais voir. Ah, il y a Flexbox, alors attention, ça c'est cool par contre, hein. Non mais sérieux. Ah oui d'accord, ok, ça t'emmène sur juste le principe de la Flexbox, d'accord, merci. Merci Unity. Ouais non, ça par contre c'est bien que tu aies... ça c'était vraiment ce qui manquait je trouve au système de UI de Unity. C'est qu'il n'y avait pas de Flexbox donc c'est un enfer. Le Visual Tree, fais voir. Donc tout est défini par des Visual Elements. Tac tac tac, ok, donc tu récupères un layout, blablabla. D'accord. Data binding system, t'as des fields. Et ensuite derrière pour binder, tu récupères. Ah tu peux récupérer la win. Ah oui non mais ça c'est le truc quand tu veux faire ton truc. Enfin ton. Ta fenêtre telle quelle en fait. Ok d'accord. Ok. Ok. C'est bien parce que du coup en fait ce système là va te permettre toi derrière de faire du two-way binding au final. Ça peut être. Enfin je pense que ça peut être très intéressant à mon avis. Ah ça c'est ouf, ça te génère une classe? Non, c'est pas possible. Attends, ça te génère une classe? Non. Ah non si j'ai eu peur, non, j'ai eu peur. J'ai cru que tu pouvais directement invoquer un truc vaudou et tout, non. Non, t'es quand même obligé de load le XML ici. Mais du coup, le UXML, tu peux le foutre dans les ressources au final. Tu fous le UXML dans les ressources et tu loads depuis les ressources ton Visual Tree en fait, asset. Et dynamiquement en runtime, tu peux load tes UI en fait. C'est cool ça. Ça, c'est vraiment pas mal comme système. C'est intéressant leur truc. C'est ça. Ouais, voilà, bah, c'est ce qu'ils ont fait quoi, du coup. Ressource load, voilà, c'est ça. Ouais, de ouf, ça c'est cool. Mais ça me dit pas en fait, moi par exemple. Comment est-ce que je peux gérer? Comment est-ce que je peux gérer le fait que je veux récupérer en fait donc dans ma vue, je veux juste récupérer mes nested là en fait ici. Comment est-ce que je gère ça? Parce que ces trucs là en fait je c'est des identifiants uniques, mais je veux juste en récupérer plusieurs en fait, c'est juste ça quoi. Ou alors je suis obligé de faire partie, je suis obligé de tout foutre là peut-être. Attends, genre je fais un grand visual élément et je mets toutes mes nested dans le visual élément en question qui est placé ici. Et donc ce visual élément du coup il a un name, donc un identifiant unique, à savoir les views, admettons. Voilà, donc il s'appelle views. Ce truc-là du coup, UI document, bah, visual element, je récupère donc du coup donc c'est name. Je récupère un truc qui s'appelle views. Donc ça c'est donc mon visual element. VS. Donc ça c'est views. Views element. Je sais plus écrire. Views element, ok. Et donc dans ce views element, je veux récupérer bah, tous mes boutons. Ah attends, button. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ok. Je récupère tous mes buttons. Mais du coup, est-ce que ça m'en retourne qu'un? Comment je fais pour que ça m'en retourne plusieurs? Parce que je veux tous les récupérer en fait. Je récupère une liste. Attends. Il y a forcément moyen de récupérer une liste. C'est pas possible. Query. Peut-être query. Query builder. Tac tac tac. Remove. Schedule. Sort. Warp to local. Get. Alors, get classes. Peut-être query tout court, hein. Query de buttons.
Je vais juste récupérer tous les boutons en fait. Hein. Fais voir. Et donc là, ça me retourne peut-être mes boutons. Je suppose. Inch'Allah. Et donc, on va tester ça. Peut-être que ça fonctionne. Hein. Peut-être que ça fonctionne nickel, il n'y a pas de souci. Enfin, ça me semble. Ça serait ouf quand même. Attends, on va juste faire un. On va juste tenter un debug. Ah, attends. Dans le doute, fais voir. Est-ce qu'il serait trop fort d'avoir fait ça? Non, j'allais dire. Non, c'est pas possible. Mais peut-être que du coup, tu peux récupérer forEach. Ah, t'as une fonction forEach. Mais donc du coup, si t'as une fonction forEach, t'as une fonction toList. Putain, ils sont trop forts si c'est ça. Si c'est ça, ils sont trop forts. Point button. Fais voir. C'est-à-dire que du coup, tu fais des queries et tout. Enfin, c'est tu fais vraiment du. On se retrouve vraiment à faire du front, en fait. Donc, c'est-à-dire que Unity devient officiellement un langage de front. C'est ça. Enfin, c'est trop cool. En vrai, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment sympa, en vrai. C'est vraiment pas mal. Donc, du coup, on va tester pour voir. Ah, ça serait génial. Fais voir. Donc là, ça me retourne. Alors, j'ai un bouton. Tac. Ok. Ça me retourne qu'un bouton là pour l'instant. Ce bouton là, il a une position. Et le button to list. Je peux pas le faire au runtime, je suis sûr. Ah si, ah j'ai trois boutons. Bah c'est bon, ça me retourne trois boutons. Excellent. Et donc là, j'ai mes trois boutons si je fais ça. Fais voir. Excellent. Excellent. Donc là, j'ai mes trois boutons. Et fais voir du coup si je leur mets un texte. Fais voir. On va, ben vous savez quoi? On va combiner ma librairie. On va faire string les randoms, les rands, new list de string. Donc du coup, on va dire machin. On va voir chouette. On va voir bidule. On va voir hello. On va voir test. On va voir truc muche, voilà, je sais pas moi. On va avoir glow up, je sais pas, j'ai pas d'idée. Et donc du coup, ce qu'on fait, c'est que chaque button, hop là, le bouton, on va récupérer le texte. Je sais pas comment on fait, texte, et on fait rand.extract. Extract. Ah, il aime pas. Ah. Ne contient pas extract. Alors c'est extract random. Peut-être qu'il connaît. Voilà, là il connaît. Voilà. Une fois que c'est en prod ready, on va avoir des projets Unity dans les ESN. Hein. Ah, probable. No joke, probable. Hein. Parce que ça veut dire que du coup, tu peux avoir un moteur 3D qui tourne pour des vraiment des gros projets et des interfaces. Voilà. Ok, cool. Bah, c'est exactement ce que je voulais. Putain, c'est ouf, c'est exactement ce que je voulais. C'est oufissime. Et donc je peux faire pareil avec les labels. Et donc là, je récupère tous les labels. En fait, là, c'est clairement un query. C'est impressionnant. J'assure, c'est impressionnant. C'est un query. Labels. For each label. Texte, c'est ça, label.text, extract random. Truc de fou. Non mais c'est un truc de fou, hein. Test, globe, machin. Donc là, en 2-2, tu peux modifier. Oh! Mais vous vous rendez compte? C'est un truc de fou! Et fais voir si je fous ça dans un update. Attends, mais. Là, ça serait quand même dingue. Non, ça serait quand même fascinant que ça fonctionne dans un update, les gars. Donc attends, tac, fais voir. C'est-à-dire que si ce truc-là, bon, ça va bouffer énormément, je pense. Hein. C'est, en fait, j'ai fait exprès hein, que ça fasse comme ça.
Non, c'est pour voir à quel point ça détruit la RAM. Fais voir si je l'arrête. C'est quoi qui bouffe? C'est le script ou l'animation? C'est le script. Et ouais, du coup, c'est le script qui bouffe en fait là. Mais la frame de rendu, elle change pas. Ce qui bouffe, c'est le script. C'est-à-dire qu'on a un machin qui va te modifier en permanence l'UI, et ce qui bouffe, c'est le script, et non pas le rendu. Truc de fou! C'est un truc de fou! Ah mais ça, c'est un truc de fou, quoi. C'est impressionnant. Vous vous rendez compte à quel point c'est facile de faire ça? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on organise bien sa hiérarchie, comme quand on fait de l'applicatif avec de l'UXML, du HTML, de ce que vous voulez, hein, du XML de manière générale, c'est abusément facile en fait. Donc là, techniquement, ce qu'on peut faire, enfin moi, ce que, il y a un manque quand même, hein, on va pas se mentir, c'est le fait que je peux pas récupérer mes views là tel quel. Ça pour moi, c'est aberrant quoi. Je comprends pas pourquoi on peut pas faire ça quoi. C'est bizarre. Tac. Pourquoi je peux pas récupérer directement mes vues? Pourquoi mes vues c'est des trucs. Oula, ça a sauté. What? Je fais quoi? Je fais quelque chose? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu mes vues. Bah, j'ai perdu mes vues. Ok, cool. Pourquoi j'ai perdu mes vues? Ok. J'aimerais juste. En fait. C'est juste ça qui manque, c'est genre de se dire, est-ce que je peux récupérer mes vues? Si je peux récupérer mes vues, on est les rois du pétrole. Mais c'est un truc de fou, hein. Si je peux récupérer mes vues, c'est exactement ce qui. Et je peux faire un data key, je peux binder mes data directement à ma vue en fait. Bah c'est ça en fait ce qu'il faudrait. Il faut pas un timer. Non, j'ai relu. C'est un truc de fou quoi. Si tu veux gagner du fric, c'est le moment de se lancer dans des trucs genre connecté à une BDD Oracle. Il y a déjà en fait, il y a déjà des librairies C-Sharp Unity pour se connecter directement à une BDD. C'est vraiment. Mais bon, voilà quoi, je sais pas. Sainte mère de Dieu quoi. S'il vous plaît. Ouais, c'est juste ça qui me manque moi. C'est que ma vue, ici, j'aimerais pouvoir lui attribuer une classe, limite une classe, tu vois, un sélecteur. Mais peut-être que, attendez, peut-être que je peux récupérer ma vue à la. Je sais pas, il y a peut-être moyen, hein, je sais pas moi. Genre, si je query, si je fais viewsElement.query, et genre, je mets, je sais pas moi. Non, mais c'est pas une classe, c'est pas possible. Et je mets. Qu'est-ce que je peux mettre? Faut voir, il y a quoi? Il y a les names, les classes name, les classes. Les. Et rien. Ouais, juste je query tout court. Ok. Non, il y a les classes name. Dommage ça. Non, tu peux query par identifiant ou par classe name. Mais du coup, je peux pas classe name un XML quoi. Et si je le classe ici, fais voir. Mon UXML, je peux pas me modifier ici? Fais voir. Truc con, attends, on va essayer. Si je prends mon fichier UI ici, celui-ci, que je le mets dans mon. Hop, voilà ici. Et que là, je mets une classe. Parce que fais voir là, c'est quoi? Ça, c'est le namespace. Extension. Tu peux faire des liens entre des vues et des GameObjects ou c'est totalement indépendant? En fait, ça dépend ce que tu veux faire comme lien en fait. Je sais pas, je sais pas qu'est-ce que tu aimerais faire comme lien en fait. Possible. Possible, je sais pas. Ah mais tu peux récupérer. Attends. Tu peux récupérer ça. Un UI UX élément. Tac tac tac. Ouais, mais si je fais une classe là. Et UI classe. Attends, c'est quoi? C'est UI. UI 2 points. Alors c'est un. Ouais, c'est UI class, c'est ça? UI class. Que je fais hello, admettons. Est-ce que ça fonctionne?
J'ai une classe Hello, mais bon, ça a pas l'air de fonctionner des masses, quoi. Pas très bien compris. Ah, mais nested view, elles ont des Hello. Attendez, elles ont des Hello, donc c'est possible. Donc c'est possible, on peut le faire. Donc je peux récupérer. Attends, mais c'est un truc de fou, ça. Donc, attends. Où est-ce que c'est? Je suis paumé, ça y est. Ça y est, je suis paumé. Donc, attends, on peut faire un autre truc. C'est-à-dire qu'on peut itérer qu'une fois. Donc, on fait. On va récupérer donc mes views. Et donc, en fait, plutôt que récupérer le route. Attends. Attends, on a peut-être trouvé le pétrole. Element.query. Query. Du coup, c'est des Visual Elements, du coup. Et on récupère par classe. Et class name. Hello. It's me. Et on fait un views.forEach. Ouais, parce que bon, voilà, nous on est sagouin, quoi. Voilà, tac. Et donc, forEach, là, du coup, on obtient du coup le Visual Element. Et sur le Visual Element, on fait Q button. Et le Q button, ça nous donne du coup ça. Et ensuite, on fait pareil. Attends. Point text. Égal. Et on fait pareil. Ah, je sais pas si ça fonctionne. Wait. Ah, s'il veut. Une action, via element. Seule une assignation. Attends. C'est mon code ou c'est. Attends. Ah, mais non, mais j'ai un. Comme ça, je suis bête. J'allais me dire, j'ai raté une étape. Donc là, pareil pour le label. Attends, ça serait ouf quand même. Bon, par contre, c'est un peu dommage qu'on doit passer par le code pour mettre une classe. Donc c'est peut-être un des trucs qui va être réglé plus tard. Hein, c'est possible. Ok. Et donc. Non, ça va pas marcher. Ah, la déception! La déception! Bon, on va mettre ça dans le start déjà parce qu'on s'en fout. La déception. À moins que ce soit pas des Visual Elements. Peut-être que c'est des UI Documents tout court. Je sais pas si on peut. On peut pas query des UI Documents? Alors des. Qu'est-ce qu'on peut query? Des. Routes. Ah, des UXML peut-être? UXML. Est-ce qu'on peut query des UXML? Ah, peut-être qu'on peut query des UXML, fais voir. Des route element. Peut-être, il y a peut-être moyen de choper ça. Peut-être que c'est ça le bail. Hein. Fais voir. Ah, un visual tree. C'est ça, Visual Tree? Non, ça a pas l'air d'être ça. Qu'est-ce que c'est? Attends. Bon, on va y arriver. On va essayer de trouver. On est plus fort que le truc, quoi. Les vues, c'est quoi? Les vues, c'est des thèmes, des instances, des UI instances. Alors peut-être que c'est des instances, du coup. On récupère les instances. Des tree instances, combine instances, tree instances, faut voir. Ah, ça se récupère pas, à mon avis. Comme T. Et instance. Et combine instance non plus. Ah putain, c'est des templates. Peut-être des templates, hein, du coup. Template container. Fais voir. Oh, putain, c'est ça. Ça a l'air d'être ça. Fais voir. Ah si, c'est ça. Non, toujours pas. Dommage. Ah, j'avais l'espoir. Il y a forcément un bail que. Parce que là, du coup, fais voir. Tac. T'as des templates. Aïe. On va peut-être y arriver. Parce que là, j'ai les names. T'es sur du class name? C'est pas class? Non, c'est class name. C'est class name. De toute façon, il m'enverrait chier, hein, dans tous les cas. Il m'enverrait chier, sinon. Et c'est bien class aussi de ce côté-là. Parce que du coup, il s'affiche bien comme il faut ici. Tu vois?
Par contre, tac. Par contre, ici, je sais pas comment comment c'est censé se faire. Doit y avoir un bail, tu sais. Je vais voir. Ouais, doit y avoir un bail à setup quelque part, un truc. Je sais pas. Ouais, sans doute, doit y avoir un bail quelque part ici. Je vois pas où. Je vois même pas où, mais. Dans un document settings. Attends. Enable this option to create editor extension in this file. Display additional feature. Ah, attends, il y a peut-être ça. C'est quoi du coup? To enable editor extension by default, edit the UI toolkit project settings. UI toolkit project settings, c'est ouf. J'ai UI builder. Ah, voilà, fais voir ce truc-là. C'est peut-être ça qui me manquait, fais voir. Du coup. Hop. Ah, you can now use editor only controls. Ah, mais ça, c'est des éditeurs, on s'en fout. C'est pas important. Tant pis. Dommage, dommage, dommage. Dommage qu'on puisse pas récupérer ces trucs, quoi. Après, on pourrait passer par les UI buttons ici, tu vois, et définir des classes pour chaque bouton. Au final, oui, c'est tout à fait. Bon, tout à fait ok. Hein. C'est possible. Non, mais je voulais chercher un moyen de le faire proprement, on va dire. C'est vrai que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage qu'on puisse pas vraiment gérer le truc comme ça, enfin récupérer. Parce que si je comprends bien ça, c'est. Ouais, c'est une instance de template, donc. Est-ce que c'est. Y a pas d'autres trucs avec template? XML template factory. Fais voir. Non, ça doit pas être ça. Bah, je suis un peu déçu. XML traits. Non, c'est pas ça. Déçu, déçu, déçu. Qu'est-ce que je pourrais query? Ou autrement, je query juste tel quel. Hein. En vrai, je query juste la class name. Hein. Si c'est ça, du coup, ça me permettra de savoir un petit peu qu'est-ce que je query au final, comme élément. Non, c'est pas ça dans tous les cas. Bon. Donc, non, on peut pas faire malheureusement de cette manière-là. On est obligé d'encapsuler dans un truc un peu au-dessus. Dommage, hein. C'est un peu dommage. C'est bon. Pas si grave, c'est pas si gênant que ça quoi, mais bon, j'aimerais bien en fait pouvoir binder sur ma vue directement en fait, ça que je trouve dommage. Genre si je récupère ma vue en fait dans mon main view ici là, ouais, je peux binder directement avec le binding pass en plus, ça doit être lié à ça à mon avis. Dommage. C'est bien comme ça qu'on récupère les class name, attends, fais voir. Parce que peut-être c'est pas du tout comme ça au final. Hein. Fais voir. Comment est-ce qu'il récupère les class name ici par hasard? Peut-être qu'il faut un point. Hein. Ce serait. Bah, ça m'étonnerait qu'il faille un point, hein, mais. Ma foi, je crois pas. On va tenter avec un point. Allez, histoire de terminer la soirée, on va tenter avec un point. Mais honnêtement, j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. J'y crois pas du tout même. Oula. Oula. Ouais, ça serait nul, hein, bien sûr. Ça serait nul. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Rich. Ah oui, il m'a minimisé. Putain, il m'a mis de. Ok, d'accord. Il m'a mis en minuscule. Class name. Oh putain, j'en peux plus. Attends, on va faire autrement. Voilà. On va tenter avec un point, j'avoue. Allez, juste par curiosité. Mais ça m'étonnerait. Là, j'y vais sceptique. J'y vais sceptique. Non, voilà, c'était sûr. C'était sûr, ça me dit rien du tout. Ah oui, j'ai oublié le point. Ah il est minuit, bateau. Désolé. Ça va. Là, si ça marche, là, c'est ridicule. Hein. Non, ouais, ça change rien de toute façon. Ça ne change rien. Non, mais ça change rien puisque c'est pas comme ça que ça doit fonctionner à mon avis. Ça doit fonctionner autrement, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Au moins déjà, on a réussi à faire un truc propre. Ouais, ça valait le coup. Ça valait le coup parce que au final, une fois que c'est bien setup. Ah, mais attends, mais ça marche même pas au start.
T'entends? Le script il s'est retiré entre-temps, j'ai pas compris. Putain, mais attends, en fait, tout ce qu'on faisait depuis tout à l'heure, ça marchait, tu vois. Je un peu plus. Attends, mais du coup, je veux quoi? Attends, si je query, je pense que je veux pas query. Fou, je suis fatigué, putain. C'est quoi, du coup, le template, c'est ça? Peut-être ça marchait en vrai, on sait pas. Ah oh, putain, peut-être ça marchait. Ah putain, merde. Ah merde. Ça, j'en sais rien. Beaucoup. Le dernier, il a pas marché, j'en sais rien. Ah merde, putain. J'en ai mis assez en plus. Je sais pas. Mais je me disais, c'est pas possible. Je me disais, c'est pas possible qu'on puisse pas le faire autrement en fait. C'est un problème. Ah, putain. Je suis désolé, hein. Ah, désolé. J'en peux plus. Donc oui, on peut bien le faire en 5 lignes. Hein. Et pourquoi le dernier s'est pas mis, j'en sais rien. On va l'appeler j'en sais rien. Ouais, j'en sais rien. Ah putain. Pourquoi le dernier s'est pas mis, j'en sais foutrement rien. Et là ça marche, hein, tu vois, je sais pas. Ouais, mais non, mais il y a des templates. Genre, si tu regardes, je suis sûr que là, si on met un breakpoint ici, je crois qu'il y a assez. Hein. Regarde, tu vas voir. Je crois qu'il y en a que 3, hein, si tu mets un breakpoint ici. Hein. Fais voir views. Tac, tac, tac. Alors, c'est pas ça qu'il faut regarder. Ah putain, 6 dans le for each. Attends. Il a freeze. Merveilleux. Merveilleux, il a freeze. Ah! Il y a tout qui a freeze. Merveilleux. Merveilleux. Il a pas aimé. Il a pas aimé freeze sur le for each. Attendez. Ouah. Putain, ça sent la fin de soirée quand même. C'est bon, vous l'aurez votre ASMR. C'est bon, tranquille. ASMR lol. Du coup, je vais le foutre ici peut-être. Ça m'énerve en fait parce que du coup, je vais devoir le mettre dans le breakpoint ici. Pourquoi le stream est freeze? Ah! Non, arrêtez. Déconnez pas. Hein. Déconnez pas. Hein. Ah, ça a trollé. Déconnez pas. To list. Fais voir. Ah, le views. Ah oui, non, mais j'ai oublié un S. My bad. Et j'ai oublié un point. Ah, mais c'est pas possible. Impossible d'évaluer. Tout ça pour rien. Super. Attends. Tac, tac, tac. Fais voir. Peut-être que du coup, comme c'est dans un for each, c'est pas géré pareil. Fais voir. On va faire un truc dégueulasse, mais c'est juste histoire de. Hein. Fais voir, fais voir, fais voir. Et après ça, on se quitte, hein, y a pas de souci. Mais j'ai bien envie de poursuivre UI Toolkit là, parce que ça m'intéresse de ouf. Hein, c'est, je pense qu'il y a vraiment de quoi, de la matière à faire. Ah, 4! C'est ça, il m'a bindé 4 éléments en fait. C'est ça en fait, du coup il m'a bindé 4 éléments, véridique.
Ma bind est quoi? Capacité 4. Membre public. Voir. Attends, on va le caster dans une liste. Une liste de template container, tu vois. Ah, peut-être que lui-même, c'est un template container. Ah, c'est lui-même. Lui-même est un... Ouais, le parent est un template aussi, je crois, ouais. Ah, d'accord. Attends, mais du coup, est-ce qu'on peut faire... fais voir. Est-ce qu'on peut prendre une partie, en fait, du truc? Bon, à mon avis, il y a du linkui. On peut faire du linkui d'une certaine manière, donc au final, c'est ok, quoi. Enfin, c'est ok, c'est lourd, mais on peut faire du linkui, donc du coup, on peut tout faire, à mon avis, donc derrière. Et oui, ça prend du coup, forcément, à partir du root. Mmh. Ouais, mais enfin bon, du coup, ok, on peut sauter le premier élément, par exemple. Donc, si je fais un continue, ici... Ah, c'est un return. Si je fais un return ici, du coup, ça va nous sauter le ah ouais, non, mais ça saute le premier élément, du coup. Attends, je sais. On va le caster dans un template container. Containers. On fait views.list. Et for int... Alors, du coup, on va faire un for classique. For int i égale tac. On va faire le containers.count. I++, machin chouette, tout ça. Ah, et merde. J'ai oublié le truc. Et donc, du coup, on fait containers ici. Containers de i. Oula, deux secondes. Voilà, comme ça. Et là, normalement, ça devrait être ok. Ouais, parce que le parent est un template, effectivement. C'est tout à fait vrai. C'est pour ça que... Et ça explique pourquoi le dernier, elle s'était pas mis tout à l'heure. C'est ça. Tout à fait, bah c'était bon, c'était ça. That's ok. Ok, it's ok, c'est bon. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien, c'était un bon live. C'était costaud quand même. Qu'est-ce que j'ai comme... Qu'est-ce que j'ai? J'ai du Rubik's Cube si vous voulez. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Voilà. J'ai du papier si vous voulez. Voilà. Au fond. Merci à tous. Huit toolkit, c'était pas si mal, vous savez. Je trouve que c'était très dur à setup. Pas fou le papier. Ah mon dieu, qu'est-ce que j'ai en vrai qui pourrait faire ASMR? Alors j'ai pas vraiment d'outils moi pour l'ASMR. C'est pas mon bail l'ASMR. Ah si, j'ai ça. Ah mon dieu, bon je vais arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé ce live, c'était très cool. Au final ça a totalement bifurqué. C'est presque aussi agréable qu'un moustique. Ah ça je peux le faire. Attends. Je sais faire le moustique près de l'oreille. Toolkit, UI Toolkit, c'était cool. C'était très chiant à setup, donc du coup ça, je comprends mieux pourquoi c'est en preview. Cependant, il y a beaucoup à faire, je pense. Ça peut être très très cool pour de la manipulation du UI très classique. Malheureusement, pour l'instant, en termes d'animation et donc de juiciness et tout, ça reste très pauvre. Donc du coup, je sais pas trop comment ils vont gérer ça à l'avenir, s'ils vont permettre de mettre, enfin, s'ils vont permettre de mettre des animations, genre de trucs, ça peut être, ça sera cool. Je sais pas trop comment ça va faire, mais
C'est parfait, mais pas pour du JV. Ça dépend en fait quel type d'interface tu veux. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de jeux mobiles pour qui ça correspondrait parfaitement en fait, tu vois. Donc pourquoi pas en vrai. Par exemple, il y a un jeu. Ouais, attends, voilà, il y a un jeu. Alors par exemple, moi je joue à ça. J'adore énormément ce jeu. C'est, je sais pas si vous allez voir. C'est Lire entre les lignes. Ça s'appelle Lire entre les lignes, le truc. Et par exemple, c'est un truc, tu vois, c'est une interface très classique, très épurée, tu vois, où tu cliques sur le truc, t'as, voilà, des boutons quand t'appuies, tu sais. Bon, là, c'est bateau, mais ça, c'est du JV mobile. Ça, je crois que c'est fait avec Unity. Non, peut-être pas. Peut-être pas avec Unity. Mais t'as d'autres trucs, genre, attends, je cherche Dark Stories, par exemple. Dark Stories, vous connaissez, j'espère. Enfin, c'est fake Unity. D'ailleurs, il y a le. Bah, vous avez pas vu. Attends, je vais essayer de relancer comme ça, vous voyez. Dark Stories, c'est fait avec Unity, c'est marqué. Made with Unity. Et c'est une simple appli. Voilà, interface très simple, tu vois. Des encoches, des boutons, genre de trucs. Voilà, et c'est vraiment un truc bateau, quoi. Putain, en plus, j'ai montré le mauvais truc. J'ai monté. Putain, avec le fond vert, ça rend dégueulasse, mais bon. Et ça, c'est typiquement une application bateau qui fonctionne avec du Unity. Donc, pour du jeu, oui. Après, ça dépend de l'interface que tu veux, de l'ADA que tu veux mettre en place. Si t'es prêt à assumer qu'il n'y a pas de juiciness dans l'interface de ton jeu, pourquoi pas en vrai, hein, si tu veux faire un truc bateau qui fonctionne. Et en plus, là, qui est facile à manipuler, parce que regardez, là, fin, vous avez vu dans le live la facilité qu'on a eu à manipuler les UI, alors qu'on n'avait même pas à référencer les trucs, quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de faire des références à droite à gauche, juste on faisait des sélecteurs. Et vous voyez que même en termes de performance, on était. Quand on n'oublie pas les scripts. Je vois pas, il n'y a pas eu de. On n'a pas oublié les scripts. On n'a pas oublié les scripts. Okay. En termes de performance, c'est ouf. C'est vraiment ouf que de voir que ça tourne aussi bien en fait sur du mobile. Enfin du mobile. C'est-à-dire que ça tourne aussi bien sur juste de UI Toolkit. Alors que normalement avec de la canvas, faire ça. C'est clip. Non, c'est mytho. T'as pas clip. C'est mytho. Tu mytho. Ah, fais gaffe à toi. Ouais, avec de la canvas, en fait, faire des sélecteurs comme ça serait très long. Ça serait très très long, en fait. Et enfin, ça alourdirait de ouf, en fait, les performances. Donc, de le faire comme ça, c'est oufissime. Vraiment, c'est. Voilà, c'est oufissime. Donc, du coup, à suivre de très très près. Parce que ça peut vraiment changer beaucoup de choses en termes d'interface, d'applications lourdes même. Je ne me verrais pas faire des UI et enfin, comment ça s'appelle, des applications lourdes de type, je sais pas moi, des ERP, je crois qu'il y a soit ça, c'est des ERP, il me semble, le genre de truc, tu vois, des applications vraiment lourdes avec beaucoup des données qui transitent. Je ne verrais pas ça sur du Unity, parce que ça a toujours sa place sur de l'applicatif lourd qui est dédié à ça, avec un vrai moteur. Mais. Pour mixer avec de la VR, de l'AR, peut-être pas de la VR parce que ça n'a pas l'air fait pour ça, mais pour mixer avec de l'applicatif Serious Game, de l'accompagnement, de la formation, des jeux avec des interfaces assez minimalistes, ou de la jam, en vrai de ouf, des interfaces jam avec ça, en vrai, tu prends même. En fait, ce qui est cool, c'est que du coup, tu peux intégrer des mecs qui font du web dans ton jeu, parce que du coup, ils savent faire du web, donc ils peuvent facilement manipuler l'interface et donc manipuler le CSS, manipuler tout ça. En vrai, de ouf quoi. Mais le jour, effectivement, où on se rapprochera du CSS3 avec les animations, avec les queries, avec vraiment des trucs de fou là, les notes et tout, oui, totalement, oui, ça sera killer même. Ça sera totalement killer quoi. Donc oui, pourquoi pas, évidemment. Moi je suis très très agréablement surpris du truc et je dis pourquoi pas. Surtout vu les performances. Ça, je reste sur le cul encore. Hein. Les performances. Je pense qu'à terme, faudrait voir sur des grosses UI avec des tableaux et tout, mais. Ouais, je reste impressionné du truc, quoi. Impressionnant. Je crois que c'est bon, on a fait un peu le tour du truc. Donc du coup ça a bifurqué, à la base on était parti sur Base Tool, mais finalement bon, on découvre. Non mais c'est bien, en live on découvre des packages, on découvre des trucs, c'est cool. Au moins ça me fait une veille technologique, moi je suis pour, hein. J'adore ça la veille technologique. Hein. Ouais, faut voir jusqu'où ils vont pousser. Donc à suivre dans les prochains mois, semestres, à voir. Mais pour l'instant c'est cool. En attendant,
Il y a toujours dans tous les cas Doudi. Doudi, je vais continuer le. Je pense que je referai un live pour Doudi, pour finir la découverte de Doudi et me faire un avis un peu plus solide dessus. Peut-être la semaine prochaine. Et j'aimerais bien faire des lives de temps en temps, reprendre des lives de jeux, découvertes de jeux et tout. Mais en même temps que les lives de stream, c'est-à-dire que la même semaine, quoi. Donc à voir. Et vendredi, toujours pas d'idée de ce que je vais faire. Je sais pas ce que je vais faire vendredi. En matinale, toujours pas. Pas d'idée. Donc si vous avez des news, vous me les envoyez à NP, en MP, moi je prends, y a pas de souci. Voilà, moi je prends. Parce que là, j'ai pas d'idée. Voilà, n'oubliez pas le petit follow sur les réseaux sociaux, les petits réseaux, enfin voilà, sur Twitter, Discord, le serveur Discord, YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, tout ça, vous connaissez les bails. Merci à tous d'avoir regardé, d'avoir été présents, d'avoir bien échangé avec moi, c'était cool. Et on se retrouve la semaine prochaine ou vendredi pour la matinale, je l'espère, si j'ai des trucs intéressants à vous raconter. Merci à tous d'avoir regardé, ciao ciao!